Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Supreme Legacy TV, vous êtes dans Hors Série, une nouvelle émission, c'est la première ce soir. Pour vous expliquer un petit peu le concept de cette émission, il n'y en a pas. Hors Série, c'est un truc qui reviendra 3-4 fois dans l'année, en parallèle des émissions qu'on a tous les mois, et à chaque fois, ça sera du contenu différent, avec des gens différents sur le plateau, une surprise à chaque fois. Aujourd'hui, l'émission, c'est spécial Pros Combat. Pros Combat, c'est une série de battles de rap qu'on a réalisé qui est sur la chaîne YouTube de Supreme Legacy. Et donc, ce soir, on va discuter un petit peu de la conception de ce projet, comment ça a démarré, comment on a construit tout ça. On va regarder les battles ensemble, discuter de ce qu'on en a pensé. Et pour ça, j'ai plein d'invités de qualité ce soir. Tout d'abord, j'ai mon ami Vincenz, le premier rappeur de Supreme Legacy, qui est là avec nous. Vince, ça va ou quoi ? Bah écoute, la vieillerie me joue des tours en ce moment, mais autrement ça va, pourquoi je me rétablis. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai mal à l'épaule, et c'est pas nouveau. Enfin voilà, c'est des tendinites, des choses, enfin je fais trop de choses, voilà. Okay. Mais autrement, ouais, merci pour l'invitation, merci d'être là, ça me fait très plaisir, enfin voilà, Supreme Legacy, effectivement. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, Pros Combat, enfin peut-être qu'on le dira à un moment, mais c'est une référence à MC Solar, et donc c'est le nom du deuxième album de MC Solar, et on trouvait que, enfin voilà, pour ce genre de confrontation, entre guillemets, ou d'Alliance, c'était vraiment le truc qui était le mieux foutu. Enfin, voilà, on avait vraiment kiffé le nom et quand on l'avait proposé, ça nous avait fait plaisir qu'il soit accepté de cette manière-là. Ouais, mais t'as raison, c'est bien de le préciser dès le début. Et pour la petite anecdote, on avait hésité avec Box avec les mots, ouais, qui était Arsenic, qui est le nom d'un album d'Arsenic, et c'était deux références cultes, donc on avait hésité un petit peu, mais c'est vrai que Pros Combat avait plus fait l'unanimité. Merci d'être là en tout cas. Merci Yannick, merci le président qui avait trouvé le nom. Merci Yannick, big up, il doit être dans le live de toute façon. Notre deuxième invité, c'est Alexis qui est un des fondateurs de Biscuit Prod. Tout à fait. Un des deux associés, c'est ça, hein ? Tout à fait, deux fondateurs, ouais. Voilà, donc Biscuit Prod, c'est une entreprise de vidéo, mais bon, je vais te laisser présenter ça plus en détail. Vous êtes basé à Clermont-Ferrand et c'est eux qui ont réalisé toute la série Pros Combat, donc merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Donc peut-être si tu peux parler un petit peu de Biscuit Prod. Ok, on est une agence créative vidéo, comme on aime à le préciser. On existe depuis 7 ou 8 ans sur Clermont-Ferrand. On travaille beaucoup dans le domaine de la musique et du spectacle. En fait, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de création vidéo pour les lives, pour les concerts. C'est tout ce qui va être diffusé dans des écrans géants, des scénographies vidéo sur des artistes. Donc c'est plutôt des gros artistes avec des gros murs de LED et des gros mappings sur scène. Donc là, ça va aller de Angèle à Romeo Elvis en passant par Oxmo Puccino ou Vianney ou Vanessa Paradis. Et de ça, on fait aussi beaucoup de clips, du coup, de captation de live. Et puis depuis 2 ans, beaucoup d'événements digitaux et beaucoup du coup de contenu web lié à la musique et puis à la culture de manière générale, puisqu'on accompagne aussi des festivals, institutions publiques, et notamment sur la culture et ce genre de réflexion sur le digital et comment on arrive à faire des choses intéressantes avec du réel et du numérique. Voilà, à peu près, pour synthétiser. Ça fait déjà beaucoup de choses pour synthétiser. Ça fait déjà beaucoup de choses, ouais. Et puis, comme tu viens de le dire, des gros artistes, en effet. Hein, c'est pas n'importe qui a l'opportunité, je pense, de travailler avec les artistes que tu as cités. Donc, c'est déjà un beau palmarès. Hein. Ouais, ça fait un peu tableau de chasse. Mais ouais, c'est rigolo parce qu'on passe d'un univers à l'autre. Et c'est ce qui nous plaît, je crois, en fait, dans Biscuit. C'est que finalement, nous, on aime beaucoup. On aime la musique, on aime les artistes. Et puis on va chercher. Alors, soit c'est radicalement la musique avec certains artistes, qu'on a un truc qui nous plaît, mais par moments ça va être l'humain, par moments ça va être le délire qu'ils veulent mettre en place. Et donc c'est, voilà, on accompagne vraiment ces gens-là, qu'ils soient connus ou même, parce que là j'ai signé que des gens connus, mais on accompagne aussi des groupes en développement, des groupes plus locales, et donc c'est ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer les artistes et puis de les accompagner, peu importe leur niveau de développement, et voilà, nous d'amener un truc sur la partie visuelle. Voilà, et comment on va travailler ça ensemble, main dans la main, pour avoir la meilleure des réponses derrière, quoi. Et vous êtes nombreux à l'année dans Biscuit ? En fait, on va dire qu'on est 5 personnes en permanence. Et puis après, nous, en fonction des esthétiques, on va aller chercher des intermittents. Mais des réalisateurs, d'autres directeurs artistiques, ou des créateurs en 3D, en animation 2D, ou d'autres réalisateurs, pour aller chercher effectivement la personne qui va bien ou les personnes qui vont bien pour aller dans certains univers qu'on arrive moins à fabriquer, mettre en place. Donc on est une sorte de grande famille qui en fait se renouvelle et avance ensemble. Donc on aime bien développer aussi quelque chose ici, en fait, en Auvergne. On essaie d'accompagner des réalisateurs aussi dans leur travail. Et puis sinon on va chercher des gens un peu plus loin de temps en temps. Voilà. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on est sur une sorte d'effervescence un peu permanente et c'est rigolo.
Ah, mais c'est cool de voir une réussite comme ça, comme tu l'as dit, qui était de local. Tu dis que ça faisait 8 ans, ça a vraiment marché de cette manière-là dès le départ ou Bah, on a été on a été assez surpris parce qu'en fait, nous, on a commencé, on était à la base des potes qui avons monté la boîte et on voulait travailler dans la musique, mais on avait un réseau déjà. En fait, on a produit un spectacle qui s'appelait Les Songes de Léo pour Morgan Abo qui était dans Cocoon avant, donc partie un peu folk et tout. Et là, on a mis en place un dessin animé de une heure sur un spectacle, donc c'est une sorte de conte musical qui est passé à l'Opéra de Clermont. Et en fait, il n'y a pas eu énormément de dates de ce projet-là, mais par contre, il y a eu un écho au niveau du professionnel du spectacle en disant « Ouais, c'est quand même un tour de force d'arriver à produire un dessin animé pendant une heure sur un spectacle et tout. » De là, d'autres noms ont circulé, parce qu'on avait aussi des light designers qui travaillaient avec nous, qui ont fait circuler d'autres noms sur les grosses boîtes de prod en France. Et en fait, 6 mois après, notre téléphone sonnait pour travailler sur la tournée de Maître Gims. Pour faire pareil une création vidéo et donc de là à partir de là c'est parti puisque si on travaille sur la plus grosse tournée qui se passe en France c'était en 2015 je crois le Warren autour c'était énorme, on a fini à Bercy sur un cube de 6 mètres avec Gims au-dessus donc c'était un peu hallucinant et puis 2 mois après on faisait un clip en animation pour Luan donc autre délire mais qui a fini à 60 millions de vues et donc c'est ces deux projets là qui ont fait biscuit en un an et demi c'est parti très vite tu vois. Donc voilà. Bon, les gens peuvent retrouver ça sur YouTube là. Tout à fait. On trouve des images de la tournée de Maître Gims, Bercy. Tout à fait. 2015, 16, tu m'as dit. Ouais, Edouard Nautour. Donc c'est là, ouais, quand il finit sur un cube de 6 mètres, c'était le cube de je sais plus, de Kenny West, je crois. Quand il avait fait la tournée là. Ils étaient sur 2 cubes. Voilà, bref. Belle entrée en matière en tout cas. C'est clair. Très bien. Et notre troisième invité, donc, c'est Franck de Clermont Métropole. Ça va, Franck ? Bonsoir, ouais, ça va très très bien, merci. Merci d'être avec nous. Si vous pouvez expliquer peut-être un petit peu le travail que vous faites chez Clermont Métropole. Alors, à la métropole clermontoise, moi, je m'occupe de plusieurs champs esthétiques. Okay. Cinéma, musique, art contemporain, visuel. Et là, ce soir, je suis particulièrement là pour l'aspect musical, où depuis longtemps maintenant, à la métropole, on a des formes de soutien et d'aide aux groupes, artistes, musiciens. Pendant longtemps, c'était principalement des subventions, soutien au projet pour que les groupes et les artistes puissent faire leurs disques, puissent faire leurs tournées. Et puis depuis 2016, on est allé beaucoup plus loin en sortant nous-mêmes un pôle de création musicale, Imago, à Sébaza, juste à côté, qui est un pôle un peu spécifique dans les locaux, dans absolument tous les espaces locaux de répétition, puisqu'on lui a donné une très forte teinte musique-image, notamment avec un gros cube noir de plus de 200 mètres carrés, équipé en caméra, en écran, en son, etc. Et pour se dire vraiment, cet espace-là, il manque ici pour pouvoir faire tout ce qui est clip, tout ce qui est tentative sur le live stream, traiter un peu tous ces nouveaux canaux de diffusion. Et surtout quand on voit le nombre d'artistes et puis le nombre de boîtes, d'entreprises qui travaillent là-dessus. Biscuit Production en est un bon exemple. Mmh. Et donc en 2016, à côté des aides, on a sorti ce pôle. Et on est assez content le 11 décembre prochain de lui sortir son petit frère, Imago Scroadnera, qui ouvrira ses portes à côté de la nouvelle médiathèque et qui là proposera plutôt des surfaces pour que les jeunes pratiquants mettre un pied dans la je dirais, pratique musicale. Donc c'est Baza plutôt pour les groupes confirmés, artistes confirmés, et Croadnera plutôt pour les jeunes pratiquants avec une équipe de 5 personnes que je salue ici ce soir. À quel horizon tu as dit là l'ouverture Imago Croadnera ? Le 11 décembre prochain. D'accord, mais c'est tout proche. Ouais, c'est donc déjà proche. Pour faire juste le point sur ce que tu dis, Imago c'est effectivement l'endroit où on a tourné Pros Combat. Exactement. Je fais le lien parce que effectivement tu présentes le lieu, la structure, mais c'est effectivement toutes les images que vous allez pouvoir voir ce soir ou que vous pouvez revoir sur YouTube, elles ont été tournées là-bas. Voilà. Tout à fait, et on a invité pour ça, avec Biscuit Production, notamment quelqu'un qui est très fort ici là-dedans, qui s'appelle Max. D'accord. Diab. C'est lui qui a fait toute la création de Lumière, l'arène. Ouais. Lumière. On s'appuie beaucoup sur lui, nous, pour tout ce qui est créa, mise en audiovisuel, parce qu'on a la chance ici d'avoir des gens qui... vont beaucoup plus loin que de simplement savoir-faire. Ils apportent tout un tas d'idées qu'on n'aurait même pas eues à la base. C'est eux, vous savez, qui mettent les petites ampoules sur la place de Jaude pour
lorsque c'est les fêtes, pour faire cet immense drap de lumière. D'accord. Et c'est des gens qui savent bricoler, qui savent essayer avec plein de choses. On leur donne pas grand chose et hop, ils arrivent à faire un truc phénoménal. Alexis, je pense que tu me contrediras pas quand je parle de Max. Ouais, c'est surtout qu'on parle beaucoup des artistes et des créateurs et puis voilà, nous, on fait leur partie de direction artistique. Mais ce qui est vrai, c'est que, et encore plus depuis quelques années, c'est qu'on a une partie techno qui est hyper importante, et c'est ce mélange-là qui est hyper intéressant, c'est de mélanger les technologies avec les idées qu'on peut avoir, que ce soit des musiciens, des gens comme nous, tout ça, et finalement ces techniciens sortent de leur rôle de technicien puisqu'ils ont aussi finalement, ils amènent des idées parce qu'ils maîtrisent la technique, et que du coup ça crée une discussion, une effervescence qui en fait, et dont le résultat, voilà, pour ce combat on est le résultat de discussions, d'échanges, et que effectivement tout le monde a un rôle bien déterminé, mais en même temps voilà, le fait de fédérer et de se faire rencontrer des gens dans une ville comme Clermont qui est en pleine effervescence sur la culture, sur les arts différents et sur les passerelles qu'il y a entre chacun, et ben voilà, on a des beaux résultats. Donc ouais, c'est important de les citer, c'est cool, on le fait rarement en plus. Donc, mais c'est vrai que souvent c'est les hommes de l'ombre. Hein. Exactement. Les techniciens, ouais. Ils sont très souvent oubliés parce qu'on ne les voit pas sur le devant de la scène, mais c'est en grande partie grâce à eux que le spectacle est magnifié, on peut dire. Enfin, que ce soit la technique lumière, son, enfin, tout ce que tu dis, c'est vrai que c'est ça qui met en avant vraiment quelque chose. Je pense que si Pros Combat, on l'avait fait sans le décor qui a été créé pour l'occasion, on aurait pu faire mieux. on expliquera après peut-être par où est-ce que c'est passé pour en arriver là. Mais effectivement, le pôle de Sebaza, il a été conçu au départ pour être un lieu avant d'être un lieu pour les groupes artistes, pour être un lieu pour les techniciens, parce qu'on estime que c'est eux qui amèneront l'artiste à aller un peu plus loin dans son rapport au son, dans son rapport à l'image. Et aujourd'hui, si on a des bons techniciens, c'est eux qui vont amener les groupes à se poser des questions sur ce qu'ils mettent en fond, sur la manière dont ils gèrent tout ça. Et donc on est content quand ils viennent jouer avec le lieu pour vraiment en faire quelque chose sur une idée de base, bah, telle qu'a été Pros Combat. Et donc oui, il faut le repréciser, Imago, c'est un lieu qui est ouvert à tous, n'importe qui peut plus ou moins venir faire de la résidence, du tournage de clips. Je crois que les conditions, c'est juste avoir un statut, une association, quelque chose comme ça. Non, on peut aussi venir en tant qu'individu. Okay. Il y a trois espaces, un 30 mètres carrés équipé, un 50 mètres carrés, et puis la grosse salle de 100 mètres carrés qui se loue. Alors, quand on voit le matériel qu'il y a dedans, on est à des prix qui sont assez faibles. On parle de 5 euros pour le plus petit jusqu'à 20 pour le plus grand de l'heure. Alors qu'il y a vraiment beaucoup de moyens, ce qui n'est pas très, très 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 cher, mais c'est un lieu où qui se loue simplement. Donc effectivement, il est ouvert à tous. Oui. Donc voilà, si jamais il y a des artistes qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas ce lieu, si vous cherchez un endroit pour faire de la résidence, pour préparer vos lives ou pour tourner des clips, vous pouvez aller sur le site d'Imago. Il y a un site internet pour Imago. Alors, sur le site de la métropole. Directement sur le site de la métropole. Toutes les en tout cas, voilà, c'est Imago, c'est assez Sebaza et c'est un endroit qui est très très bien. Moi personnellement, j'ai travaillé beaucoup en résidence avec Supreme Legacy ou même pour des projets perso. J'ai jamais tourné de clip, mais peut-être que dans l'avenir ça viendra. Le seul tournage que j'ai fait, c'est Pros Combat, mais en tout cas c'est un lieu qui est vraiment très cool. On est toujours très bien reçu aussi, il faut le préciser. Il y a une équipe qui est très 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 agréable là-bas, et donc c'est toujours un plaisir d'être reçu comme ça quand on va travailler quelque part. Et je voulais rebondir du coup sur le petit frère du coup de Imago. Ouais, le petit frère. Concrètement, il y aura quoi là-bas? Ça sera donc plus peut-être des studios d'enregistrement, des choses comme ça, non, des salles pour faire de la musique. Il y aura quatre studios qui vont avoir la particularité d'être thématisés un peu. Notamment, il y a deux studios de 30 mètres carrés, un où on va trouver un backline, batterie, ampli, plutôt rock, et un autre qui est entièrement numérique, pardon, pas de batterie électronique. D'accord. Etc., plutôt pour ce qui est urbain, musique électronique. Un 50 mètres carrés qui sera raccordé à une petite cabine de 16 mètres carrés, mais qui ne sera pas fait spécifiquement pour capter, enregistrer, mais pour tester certaines choses. Et notamment, le 16 mètres carrés sera configuré en MAO. Et donc, on va travailler beaucoup sur ces questions-là avec un studio que certainement beaucoup
connaissent, le studio de Croix de Nera, maison de quartier, l'alchimiste qui a fait beaucoup de démos, beaucoup de... Énormément. Et donc effectivement, on va beaucoup travailler sur ces questions-là avec lui. En soi, après, ce sont des studios dédiés à la répétition et ce sera associé à un espace de 135 mètres carrés. On va retrouver tout le secteur disque. De la médiathèque, mais surtout c'est un espace où nous on peut exposer, accrocher, et on va essayer là-dedans de travailler tout ce qui est autour de la musique, c'est-à-dire tout ce qui est culture musicale. Exemple, si on traite le rap ou le métal ou le folk, on va essayer de le travailler, mais par des angles spécifiques. Moi j'aimerais bien y travailler la culture hip-hop, mais via l'angle basket. Par exemple, avec le film Sneakers, avec des fonds documentaires, avec ce que la mode dit de ça. Donc on essaiera à chaque fois de trouver un angle intéressant, parce qu'on a la chance d'avoir le fonds documentaire à côté de toute la médiathèque qui est énorme. Donc on espère que ça va devenir un lieu de croisement entre les publics, amateurs de musique, avec des conférences, avec des expos, avec des films, au-delà de ce seul aspect répétition. Ah, c'est un beau projet, en tout cas ça va amener beaucoup d'opportunités, je pense, pour notamment pour la jeunesse. S'il y a des petits stages MAO, des choses comme tout à fait, c'est le but du jeu. Donc travailler un peu avec Supreme Legacy, avec d'autres associations aussi, pour qu'il y ait un maximum de gens qui passent des choses là-dedans, quoi. On va être un peu dans le faire de la ZIC, mais du plus petit môme jusqu'à l'ado, quoi. Très bien, c'est très bien. Ça. C'est un beau projet en tout cas. Je renote juste un truc quand tu disais c'est aussi un lieu qui sert à former des techniciens. C'est sûr que c'est des gens qu'il faut louer par leurs compétences. Je veux dire, nous on a pu l'utiliser, mais sur le pros combat. Mais après, moi je vois très bien, effectivement, c'est des geeks, des fois les techniciens du son ou des choses comme ça. C'est des gens qui disent à 4 kilos tu baisses de 300 hertz, truc que tu comprends pas toi, enfin qui veut rien dire pour toi. Mais moi je sais mettre en marche un grippin, l'arrêter, tout ça, c'est tout voir. Mais voilà, effectivement, sur les techniciens lumière aussi, il y a que des espaces de résidence sur des salles de concert, et je trouve ça bien qu'il y ait cet aspect de formation qui puisse être fait pour eux, parce que voilà, on leur rend pas assez hommage, mais souvent si ça claque sur scène, c'est souvent grâce à eux aussi. Ouais. C'est de très belles paroles que tu nous dis, mon ami. Vous les avez enregistrées, j'espère. T'inquiète, tout est enregistré, tout sera disponible en replay, donc tout est figé. Maintenant qu'on a présenté un petit peu ce que vous faites, les projets sur lesquels vous travaillez, on va rentrer dans le vif du sujet et parler du coup de Pros Combat, ce pour quoi on est là ce soir. On va commencer par la genèse du projet. Comment l'idée a émergé, déjà de qui vient l'idée, et puis comment on a construit petit à petit ce projet avant d'en arriver à la diffusion. Alors, ce projet, elle vient vraiment des deux parties, parce que on s'est fait une petite bouffe un jour avec c'était l'été, c'était arrosé, et on leur a donné un constat simple entre les mains. Pendant la crise sanitaire, on a essayé d'aller aussi, nous, sur le live streaming, sur filmer des choses qui ne pouvaient plus se faire de façon live. Donc de se dire, on va filmer des groupes et on va les mettre sur Internet. Et là, on s'est rendu compte qu'on déversait encore plus de contenu live sur un réseau, sur des réseaux qui en avaient déjà des... milliards, que c'était des gouttes dans l'eau, que ça faisait peu de vues, que c'était pas très intéressant en plus en termes de ce que ça donnait. Et du coup, on s'est retrouvé un peu confronté à se remettre en question sur notre rapport au numérique, où on s'est dit, tiens, soit on se plante, soit on est à côté, soit on n'a pas capté. Donc on est allé voir Biscuit, on leur a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi. Et c'est là que Alexis est venu nous dire, et je vais lui laisser la parole là-dessus. Un événement sur le web, ça doit être un événement unique déjà. Ça ne doit pas être un ersatz de live, ça ne doit pas être une chose que l'on pourrait faire à côté. Et c'est là qu'on a commencé à se poser la question de quel thème on pourrait aller chercher. Alexis ? Eh bien, c'était une belle intro. Effectivement, en fait, Pros Combat, ça répond à deux trucs. C'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà effectivement une institution comme la Métropole qui se pose les questions de savoir comment être utile ces questions-là sur comment être utile en faisant des choses, en produisant des choses. Et du coup, nous sollicite pour qu'on leur donne une réponse, effectivement, donc sur une réponse avec une idée de contenu digital et tout. Et puis l'idée après de nous dire, OK, maintenant, comment on va arriver
à avoir une idée et comment on va peut-être derrière fédérer d'autres gens avec nous pour avoir ce truc-là. Et après, c'est... Et donc, de ça, effectivement, on a pensé... déjà, on ne voulait pas refaire un énième captation de live parce que, pour le coup, le confinement, nous, on s'est un peu battu contre ça parce que déjà, il y a eu plein de choses produites et puis finalement, c'était beaucoup de gens qui se filment dans leur salle de bain et puis après, il y a eu des filmés des lives sans public. Ça, voilà, il y a eu du très mauvais et du un peu meilleur et parfois du très bon, mais c'est, voilà, on écoute très, finalement, pas grand-chose de très intéressant. Et au final, voilà, nous, on se pose toujours la question de savoir comment réécrire quelque chose et comment emmener quelque chose d'un peu intéressant là-dessus. Et puis, tout de suite, on s'est dit, si on doit travailler sur le réseau, déjà, allons chercher une audience qui existe déjà et qui est importante. Donc, on a pensé au hip-hop, le rap, le hip-hop. On s'est dit que c'était quand même les gens qui consommaient le plus du YouTube et les réseaux sociaux. Et à partir de là, on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de faire des concerts. Et puis après, c'est très rapidement, on est arrivé sur l'idée du battle. Et puis du coup, de manière évidente, Supreme Legacy a été apparu comme un partenaire évident pour aller plus loin, quoi. On a beaucoup cherché. Alors déjà, c'est vrai que l'aspect hip-hop s'est beaucoup imposé parce que à l'époque, moi, ça m'avait frappé. Il y avait eu des petites vidéos de jeunes qui s'appelaient Rentre dans le 6-3. Vous les avez peut-être vus, ces vidéos, ça avait fait beaucoup de vues. Et c'est vrai qu'on sentait déjà qu'on était, nous, lourdement dépassés, parce que je suis vieux, je l'admets. Je suis pas sur Twitch, je suis pas sur Instagram. T'es un gars qui est sur les réseaux, toi. Ouais, moi, je suis un gars qui suis sur les réseaux ferrés, mais avant ça, tu vois. Et donc, on était déjà dépassés, on se rendait compte que sur les vues, arriver à faire voir ce qu'on fait, y a des gens qui maîtrisaient comme ça les choses. Donc on a voulu tester ce secteur-là, vraiment cette esthétique-là. Et en y réfléchissant bien, on se disait que ces bazas, la grande cage noire, ressemblait quand même sacrément à une espèce de hangar, qu'on y ferait bien des combats de rue là-dedans, et voire même mettre un ring, un vrai ring là-dedans. Mettre un vrai ring, et on s'était rapproché même, Alexis, de l'ASM Box. Sauf que quand il nous expliquait qu'il fallait 4 jours pour monter un ring, on a vite laissé tomber. Avec un smirmorque pour l'amener. Exactement. Je me souviens de ce moment où même on nous disait il y aura peut-être des robes de chambre, les gars. Voilà. Oui. Il y avait l'idée des pieds noirs pour l'entrée sur le ring au départ. Et donc on était parti vraiment loin. Et c'est là, une fois que l'option ring s'est complètement écroulée, qu'on s'est dit mais c'est peut-être pas plus mal parce que nous ce qu'on veut c'est des choses qui peuvent être reproduites. Et là on a fait appel à Max pour qu'il crée ce que les gens vont voir ou ce qu'ils ont vu dans les vidéos. En décor. Puis un autre souci, une autre vraie question qui s'est posée à l'arrière, c'était avec ou sans public. On était confinés vaguement. On était déconfiné quand on a tourné. Il y avait le pass sanitaire déjà pour tous les artistes qui venaient. On s'était posé la question de mettre des faux mannequins, enfin un truc bien glauque avec des faux applaudissements. Comme dans N'oubliez pas les paroles, très loin. Puis en fait, on a fait quelque chose d'assez soft, sobre. C'est épuré en fait, au final. C'est épuré, voilà. C'est quelque chose qui est assez dans l'air du temps, assez contemporain au final, dans le rendu. Mais je crois qu'il y avait aussi ce qui était intéressant, moi ce qui me plaisait bien, c'était le côté aussi défi, c'est qu'au-delà de filmer des artistes, c'est que déjà les artistes, il fallait qu'ils nous proposent quelque chose. Et c'était tout le enjeu du truc, c'est qu'il fallait qu'ils proposent quelque chose de singulier, qu'ils n'avaient jamais fait, qu'ils se mettent en danger. Et donc à partir de là, nous, il était après facile de construire quelque chose et d'imaginer. Et le contenu devenait singulier de par déjà la démarche, c'est-à-dire que tout le monde se mettait un peu, devait réfléchir à nous, la scénographie, la réalisation, tout ça, déjà choisir effectivement les éléments et puis les faire effectivement, leur faire comprendre le principe et leur faire faire un défi, les faire travailler sur une battle, quoi. Chose qui effectivement pour la plupart des artistes n'avaient jamais fait, quoi. Tout à fait. Et donc ça c'était hyper, une fois qu'on avait fait ce constat là, ça devenait hyper intéressant, c'est-à-dire que voilà, d'un coup il y avait un truc unique et singulier qui se commençait à se former, donc forcément ça allait forcément être intéressant pour nous et puis pour une audience éventuelle, quoi. Tout à fait, moi j'ai beaucoup apprécié ça. Et effectivement, on a vu le projet naître, c'était là que venait ta question, donc c'était votre discussion, un barbecue, c'était un peu arrosé, et puis voilà, non pas, je sais pas si c'était arrosé, mais... On le dira parce que pas. Tout à l'heure, il a dit que tu buvais 6 bières en un quart d'heure. après, c'est vrai que ça, c'était notre partie à nous. Quand on a confié les clés à ensuite Supreme Legacy pour aller chercher des rappeur, tiens, c'est moi qui vais te poser une question maintenant. On a vu qui étaient les 12
Mais vous les avez cherchés comment? Vous les avez cherchés où? Est-ce qu'ils ont accepté facilement? Est-ce qu'au contraire, il y en a qui ont dit jamais de la vie, je vais me mettre là-dedans? On s'est laissé soudoyer. On les a tous payés. Comme tout bon casting, normalement, tu dois avoir des passe-droits. Exactement. Il y en a qui ont filé des petits billets et qui sont revenus dans les 12. Dis pas ça, ça va être repris, amplifié. Sérieusement, on est un peu gambergés chacun de notre côté. C'est vrai qu'on avait fait une discussion à 4 ou 5, un truc comme ça. On avait fait une grande liste où tout le monde donnait les noms des rappeurs qu'ils voyaient dans ce projet. Et je crois que la liste initiale, elle était à peut-être 22, 23 rappeurs, quelque chose comme ça. Donc c'était toutes les têtes qui nous semblaient intéressantes d'avoir sur Clermont. Comme il y avait le côté où on voulait regrouper toutes les générations, donc on avait pris des petits jeunes, des plus anciens. Et après, on a juste épuré cette liste. Je crois qu'on est arrivé à 14-15, un truc comme ça. Et après, on a essayé de concerter, de faire des bons match-up ou des choses comme ça. On a eu quelques refus ou quelques désistements. Bien sûr. A eu deux refus et un désistement qui ont fait que du coup, ceux qui étaient un petit peu entre guillemets sur liste d'attente ont pris la place de ceux qu'on avait prévu de base. Et d'ailleurs, je trouve ça drôle, mais les deux remplaçants ont fait des prestats excellents. Parce qu'on peut le dire, c'était Pasteur H et Zig qui étaient sur la liste d'attente. Et je trouve que les deux ont fait le taf. Remplaçant Luc, les deux jokers, quoi. C'est clair, Il rentre et qui marque à la 90e, quoi. C'est ça. Ole Gunnar Solskjær. Ouais. C'est l'exemple du Impact Player. Mais après, il y avait quand même cet enjeu de faire découvrir ces artistes-là. Et que ça, c'était quand même aussi. Parce que quand on parle de Clermont, on pense pas forcément hip-hop, je trouve. Effectivement, pour nous, on y vit tous là-bas. Et j'avais quand même ce truc-là, en plus de dire, OK, il y a quand même du talent. Enfin, nous, c'est le constat qu'on avait. Hein, bien sûr. Et que se dire que c'était peut-être, ça allait permettre de peut-être. Déjà, de faire connaître certains artistes. Mais de la même manière, quand on parle de production audiovisuelle, on parle pas forcément que Biscuit et Clermont, ou comme d'autres boîtes, comme Riot, ou des choses comme ça, qui ont un rayonnement qui est national, quoi, je dirais. On se dit, quand tu connais le truc, c'est assez fou. Mais après, pour Supreme Legacy, donc Supreme Legacy, ça veut dire l'héritage suprême. Et nous, c'est un truc qui est vraiment vivant chez nous, c'est qu'on a vraiment envie de transmettre. Et là, ce but, nous, ça tombait, mais pile poil, enfin, fallait pas choisir quelqu'un d'autre. Bon, vous l'avez pas fait, c'est bien. Mais nous, pour qu'on mette en avant des gens, aussi bien dans le breakdance, mais là, sur cette fois-ci, sur du rap, c'était totalement le but de notre organisation, quoi. Voilà, je le rappelle, Supreme Legacy, c'est le plus grand crew hip-hop de France. On est les plus nombreux. Oui, et puis je pense qu'on peut avoir professionnels la prétention, là-dedans. Avoir la prétention, je pense, de dire qu'aujourd'hui, on est le seul crew en France à avoir des membres de chaque discipline. On accepte des gens comme Hermès, des trucs comme oui, ça. Oui, c'est vrai, on accepte un petit peu tout. C'est vrai qu'on a pas mal, on a pas mal fait l'éloge des techniciens. Mais là, pour le coup, il y avait en plus des 12 rappeurs, il y avait les beatmakers. Il y avait les beatmakers. Tout à fait. Encore, vous les avez choisis comment, les beatmakers? C'est un peu la même manière. Hein. On avait fait la liste. Alors, les beatmakers, pour le coup, sont moins nombreux que les rappeurs. Mais néanmoins, il nous en fallait un par match. Donc après, une fois qu'on s'est arrêté à 6, tiens, on prend qui, on prend quoi? Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui sortent naturellement, j'ai envie de dire. Et après, moi, j'ai découvert des gens aussi, puis voilà. Oui, c'est ça, parce que chacun a ramené un petit peu ses noms. Moi, il y a des gens à qui j'avais pas pensé, qui ont été proposés par d'autres personnes de l'équipe. Et c'est en mutualisant les idées de chaque personne qu'on est arrivé à cette grosse liste de participants qu'on a épuré par la suite. Mais voilà, pour les beatmakers, c'est vrai que, comme tu dis, il y a des noms qui étaient évidents. Je pense à Yaya, Phoenix, Freaky, qui sont des mecs qui sont dans le game, qui sont dans le game, qui sont plusieurs fois disque d'or et qui sont à Clermont. Et ça, c'est pareil, ça revient encore une fois à ce que vous disiez juste avant. On ne soupçonne pas. Il y a des mecs qui sont là, on les big up d'ailleurs, qui sont multi disque d'or, qui sont des Clermontois. Et je trouvais ça cool de pouvoir regrouper tout ce beau monde sur un même projet. D'ailleurs, je pense que on peut avoir la fierté de dire aussi qu'on a réussi à réunir un petit peu toutes les équipes de Clermont sur ce projet. Chose qui, de mes souvenirs, n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Il n'y avait jamais eu un truc qui avait réuni vraiment toutes les équipes. Parce que là, je pense qu'on a eu un représentant de chaque crew, au moins. Enfin, des labels entité en place ou des choses. Parce que c'est des structures, ce n'est pas forcément que des crews. Mais il y a même des labels qui sont déjà existants. Enfin. Donc, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'était bien de réunir tout le monde, de montrer qu'il y a du talent et qu'on puisse le faire découvrir de la meilleure des manières, dans le meilleur des lieux, avec les meilleures équipes sur l'image ou pas loin. Puis voilà, donc, j'ai aussi découvert, moi, des termes. C'est bien, c'est plutôt moi qui vous interview, j'aime bien. Très bien. J'ai découvert, moi, des choses comme End of the Week, Rap Contenders,
c'est quoi la différence entre toutes ces... Par rapport à Pros Combat, c'est quoi la différence entre... Parce qu'on dit, il a gagné le End of the Week, il a gagné le Rap Contenders. En France, aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de battles comme ça? Est-ce qu'il y a des... Voilà, c'est quoi le paysage de ça aujourd'hui? À la façon Pros Combat, il n'y en a pas beaucoup. Bon, après, là, c'était des fois des battles, des fois pas des battles. Mais le but du jeu, c'était de donner un peu de lumière et de voir comment ils allaient se débrouiller, les intervenants, avec leur beatmaker. Et des fois, ils ont pris l'angle anti-battle. Mais en battle comme ça, avec de la musique, il y en a eu beaucoup par le passé. Il y en a eu beaucoup moins depuis une dizaine d'années. Ça revient pas forcément. End of the Week, c'est surtout de l'improvisation. Où c'est un petit peu comme un gymnaste qui passerait des agrès. Ben, les rappeurs, ils ont un freestyle, ils ont une impro à faire comme ça, une impro à faire d'une autre manière, un freestyle où ils se passent le micro. Tout. Enfin, il y a 5 épreuves. Et à la fin, donc, il y a un jury qui dit, ben voilà... Ils ont aussi des, comment dire, des critères de jugement, et donc ben, à la fin il y a un vainqueur, et c'est une épreuve qui End of the Week qui est mondiale, et donc il y a un champion. Ben, on a fait quelques End of the Week à Clermont, il y a eu des vainqueurs à Clermont, dont moi, dont Cléon qui l'a été aussi, RS sur la première édition, qui lui est devenu même champion du monde par la suite. Donc lui, il n'est pas du tout de Clermont, mais plutôt d'Angoulême. Il y a un champion de France, et ce champion de France, lui, il va faire un championnat mondial. Et donc là, c'est débattu. Donc c'est, il y a des Polonais, il y a des gens d'Ouganda, il y a des gens du Canada, des États-Unis, de France, Belgique, Suisse, Espagne. Enfin, bon, après, je sais pas comment ils font pour les juges, pour pouvoir tout juger, mais néanmoins, enfin, il y a toujours des choses qui passent. Et c'est que la première chose que tu peux faire transmettre, c'est déjà l'intention. T'as pas forcément besoin de bien comprendre les paroles. Si un jour tu vas en Italie et qu'un gars t'arrête et qu'il commence à t'engueuler en italien, tu comprends qu'il t'engueule même si tu comprends pas les mots. Et enfin, dans la communication, il y a tout ça. Après, les Rap Contenders, c'est plus une ligue comme le Roar aussi actuellement, où ça a du battle clash, mais en a cappella, là il n'y a pas de musique, c'est deux gars qui s'affrontent, ils connaissent leur adversaire à l'avance, et là le but du jeu, c'est tout se fait sur l'écriture ou sur l'énergie du MC, sans qu'il y ait la musique. Donc là c'est fait devant des salles, ça l'a été, ben, pour la période du confinement, ça s'est beaucoup fait en facecam, donc en fait chacun chez soi et tout, et donc voilà, ça c'était très intéressant. Et après peut-être qu'il existe d'autres choses, effectivement aussi le truc du Red Bull, où en fait là c'est de l'impro, je sais plus comment ça s'appelle. Bah c'est Red Bull Dernier Mot. Dernier Mot. Et c'est un peu un mélange des deux entre guillemets, puisque c'est de l'improvisation, mais où tu clashes ton adversaire. Mais sans connaître ton adversaire à l'avance, donc là c'est vraiment du freestyle et d'improvisation. Ça reste le côté impro. Et puis pour faire la grosse différence entre Rap Contender et ce qu'on a fait Pros Combat, comme tu disais c'est a cappella, il n'y a pas de musique, donc ce qui fait que le travail d'écriture est totalement différent. Et le côté réaction du public, dans le sens où si tu fais une punchline qui marque, tu peux laisser les gens crier pendant 10 secondes et reprendre après. Tandis que sur une musique, t'as pas tu fais ta punchline, si les gens crient, toi tu dois continuer parce que sinon après t'es plus dans le truc. Donc je pense que c'est en ça que ça se démarque vraiment aussi. Et après, comme tu l'as dit, on avait la volonté de laisser champ libre aux artistes, parce qu'en fait on a conçu des équipes de 3 personnes, donc 2 rappeurs, 1 beatmaker, et la seule contrainte qu'on leur avait dit, c'était vous faites un truc dans l'esprit battle, mais vous n'êtes pas obligé de vous clasher, vous n'êtes pas obligé de faire de l'impro, il n'y a aucun code entre guillemets, c'était juste rester dans cet esprit un petit peu battle, affrontement, avec juste les durées qui étaient un peu définies pour chacun. Et comme tu dis, ça a donné des résultats qui sont très différents, puisqu'on a des épisodes qui sont vraiment battle, et d'autres qui sont, c'est limite plus des featuring en fait. Et c'était cool de voir l'interprétation que chaque équipe avait pu avoir de ces consignes-là, et justement ça donne des épisodes qui sont très différents, et moi je trouve que c'est un point positif, dans le sens où t'as pas l'impression de regarder tout le temps, enfin je trouve que c'est pas répétitif en fait, parce que chaque équipe a abordé le truc d'une manière qui lui est propre. C'est ce qui m'a surpris, cette diversité de personnes déjà, d'approches. Alors il y a des âges variés aussi, effectivement des gens qui connaissent le rap depuis des années, et puis les nouvelles générations, et puis avec des parcours hyper différents, parce qu'on a fait des interviews du coup, donc moi j'ai fait les interviews des 12 rappeurs, et beaucoup j'ai découvert des personnes hyper intéressantes, hyper variées, avec un univers musical ou des références que j'imaginais même pas, et donc ça m'a vraiment surpris, et je trouve que ces rencontres là étaient intéressantes, et c'était intéressant du coup d'avoir aussi ce bout d'interview qui permettait d'avoir des portraits de ces artistes là, et qui permettait d'en savoir un peu plus sur eux. Et donc c'était encore tout l'enjeu du projet, au delà d'avoir un truc, une captation d'un battle, c'était aussi de partir à la rencontre de ces personnes avec des enjeux, des vies différentes. Certains sont amateurs, certains veulent être pro, certains sont pro, et c'était chouette, je trouve.
Ouais, c'est bien résumé. Et après, il y a même une autre épreuve qui s'appelle le 1-1. Et en fait, là, c'est des rappeurs qui viennent, on leur met une instru au hasard. Et là, ils lâchent des couplets qui sont à eux. Et en fait, ben, qui a le mieux rappé sur cette instru, c'est lui ou c'est lui. Et donc là, enfin, sur le prose combat, il y a des fois, effectivement, peut-être même le premier qu'on verra, mais c'est ce qui s'est plus passé un peu dans ce genre-là. C'était pas forcément de l'affrontement, mais plus, voilà, je rappe mieux que toi et sur la même instru, de c'est le voir. C'est un battle donc, de niveau, en fait. Complètement. Dire, voilà. Juste, je rappe mieux. Voilà. Tout simplement, c'est moi qui rappe le mieux, sans aller dans la destruction de l'adversaire en fait et de rentrer dans du clash. C'est juste de la prestation. Donc juste... voilà, toi Franck qui nous interview, voilà, tu apprends plein de choses encore. J'apprends plein de choses. Voilà, j'espère que les gens en apprennent autant que toi. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des petites questions dans le chat ou... Bah justement, ça tombe bien que tu me le dises parce que j'aimerais bien que les gens en posent. Et non, il y a des gens qui sont là pour dire ouais, je suis là et tout, mais c'est cool. Ok, et ben n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à poser à. C'est le moment, hein, parce que Franck et effectivement et Pibiscuit sont là et eux pourront répondre à des questions super techniques ou pas. Enfin voilà, ça, c'est le moment. Et puis n'hésitez pas à follow la chaîne aussi pour suivre les prochaines émissions. Comme on l'a dit, cette émission elle reviendra de manière aléatoire, mais on a deux émissions mensuelles. Qu'il faut suivre, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et si quelqu'un veut le même cube que Maître Gims, ça coûte combien, Alexis? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, tu as dit pas de chiffre, c'était. Ah non, mais je vais te donner le bégaye, hein, t'as je vu, me rappelle. Être... Parce que j'essaie de me rappeler, mais je voudrais pas dire de conneries. Je crois qu'en fait, le cube, il venait des États-Unis. Et je crois que je me rappelle que quand on était en train de travailler sur les médias, c'était Live Nation qui était derrière la prod. C'est une grosse organisation. Et donc, je me rappelle du mec qui s'occupait de la tournée, qui en fait, quand on galérait un peu à faire le média pour le cube et tout, et qu'un jour il nous a appelé, il nous a dit putain, il est en train de me niquer mon effet à 100 000. Et donc j'ai cru comprendre que c'était un effet à 100 000 dollars. Donc le cube, si vous voulez vous payer le Maître Gims, je crois que c'est 100 000 dollars. Okay. Pour le faire venir d'États-Unis et pour l'avoir chez vous. 6 mètres par 6 mètres par 6 mètres. Quoi. C'est con, j'ai pas la place. Ouais. Et du coup, si je veux ce cube pour un de mes clips, est-ce que je peux contacter Clermont Métropole pour des subventions de 100 000 euros 100 000, c'est. Non, 100 000, on est. Non, t'auras peut-être 2 000. Okay. 1000. Bon. Donc allez, tu peux 500 payer un, et puis tu un payes. Ouais, tu peux payer un petit cube. Allez, un petit cube. Okay. Un pouf. Je peux me payer un pouf. Très bien. J'ai un plan. Si Rubik's vous voulez cube. un pouf numérique, contactez la métropole, ils vous subventionneront. Un pouf numérique. Ouais. À préciser. Un fucking pouf. Est-ce qu'on se regarderait pas le premier battle de la soirée? Ouais. Parce que les gens, ils nous entendent parler, mais ils veulent voir. Ils veulent voir, mais voilà, pendant que vous regardez, si des questions vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les relaiera. Et puis pareil, vous pouvez dire aussi l'artiste que vous avez préféré sur le battle. Comme ça, on peut débattre aussi de ça, de savoir qui les gens ont préféré, qui nous on a préféré. Pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, vous avez le droit de dire moi. Hein. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, c'est vrai, mais c'est Vince qui a présenté tous les battles, qui était en maître de cérémonie avec un très beau micro. Magnifique micro, enfin, après maître de cérémonie. Hein. C'est le boulot, nous on le fait beaucoup, on anime énormément de choses sur les battles en France, et peut-être même la meilleure équipe d'animation de battle de France. On va se décerner un auto-award, comme ça, tout, enfin, on va faire. Faut qu'on y pense, faut qu'on demande au graffeur de nous faire un truc et tout. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, enfin voilà, bon après, venir présenter ça pour nous, c'était normal, naturel et un vrai plaisir. Mais bon, voilà, on va regarder. On le verra. Après, yes. On a fait pas mal de prises. J'ai pas tant bafouillé que ça, quand même, si. T'as et beaucoup bafouillé, quand même. Ça dépend des battles, d'accord. Mais de l'état d'avancement de la journée. Je peux pas me permettre, parce que moi j'ai beaucoup bafouillé aussi, donc on est ex aequo à ce niveau-là. Je crois que c'est sur ton battle que j'ai le plus fait de prises, en plus. Ouais, c'était le dernier de la journée aussi, c'est pour ça. C'était il y avait la fatigue. Eh ben, on est parti pour le premier battle. Du coup, le premier battle, c'est Pasteur H contre Cléon sur des instrus de Freaky Joe. Je vous laisse admirer le spectacle. Belle. Yo. De quoi? Yeah. Très bien. Yo. Ça va le? J'arrive et morceau, ça fait bang, 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 bang. Comme je flingue, je baisse tous les books, trois dans un gang, bang, zing, j'dézing, j'déglingue, tout, j'tends, dadadadadang. Sans short, les poum poum short, j'envoie les coups de toutes sortes. C'est terrain, c'est tu peux casser terrain sur mon terrain, mais le chemin du geekage est une route coupe-gorge. Yo, j'élimine de ma mine les minables qui me minent le moral en malmenant le rap de leur mot qu'ils m'animent. Ces vermines ne sont que des mots, mais m'amènent, je les mène au minimum, même le lieu de mon domaine où je les ken sur le pit sans peine. Je ne joue pas un rôle, je reste le même, même quand je quitte l'antenne. Tous les types en stress, quand je kick en express, c'est gigantesque, dis-moi, qui prend l'espèce, si je parie que je perds, rien.
rien de mon rap tant que c'est avec le cœur que je perds. Du rap par faire mes tueries musicales avec mes pères et frères, et qu'en furie j'opère, qui sur le beat je perds forme, stone, tout avec le fond, la forme. Je prends le temps de taffer sans chialer. Si les gens ne s'abonnent pas, j'ai décroché ma paresse et développé ma sagesse. Musicalement, je peux me poser à tes côtés, gars balèze. J'cause des gros dégâts, les faux dégâts. Dès que j'pose mes rafales, j'blesse. Mec, faudrait pas me décoter, car les faux, les gars, ah yes. Blah. La réponse de Cléon. T'as compris le niveau? Yeah. Il faut répondre à ce niveau. Yo. J'ai gratté le bail et même pas deux semaines. Mais la crédibilité m'anime et claque deux semaines. J'suis le ghost, le boss même, viens en boxe même. Ça le guerre de Marvel, le classé X. Mène la vie que je mène, me dit la pide. Vite moi et la plume, c'est là que nous performons. Je prie, amène, me dit la petite fille. Je crois qu'elle a compris que là tu perds fort, non. Persévère, j'te persévère, ma pierre s'avère la pierre pure. Ouais, j'tire dans le tas. Persévère, en persévère, en mercenaire. Laisse les nerfs, au fur et à mesure, m'en veux pas. Blague pas, j'ai les barbales, les épaules larges. Je dépose H, je départ par pas. Colle pas, j'ai la poil, gars, ne te foule pas. Qu'à la jeu, balle pas, pas. Clash de poule, ça fout le, ça fout le film, fout le feu, du coup les boules, fou les boules, découle le courant, tu la boucle. Fais le pas pour moi, je vais lever les bras devant moi. C'est l'effet du parcours, je crois, c'est levé, c'est le but du moi. Yo, fargé, veux-tu lâcher, mène tes fichiers face à face comme un tabis algérois. Marcher, trop de fargé, je t'ai fargé, allongé le jeu de cartes algérois. Quoi, qu'est-ce qui doute de mes capacités? Reste hal, je te fais la parcité. Fort, bien sûr que tu l'es, dommage, tu restes capacité. Mais oui! 9 x 7, je sais pas si vous avez bien vu tout ça, mais voilà, les deux représentants. On garde, on prend le même beatmaker, on prend une autre prod, mais là on a interverti l'ordre de passage des MC, et tout de suite, Cléon. C'était chaud! Partie 2. Yes! Partie 2. Partie 2, t'es pas parti vieux, c'est parti feu, je démarche, crache du feu. Sportif feu, tu parles tout ce tu peux. Au départ se marque tout ce tu peux. Eh sauf qui peut, l'ami nous montre les dents dans les bas fonds. Et l'ami te manque, les dents voient le plafond. Qui t'a fait ce camp, tu reprends, attends mais là t'es à fond. C'est embêtant, wow. J'en ai cramé des cas, me décale, le gars, des cas, des gars. Toujours au taf, je commets des crimes, rap dans l'état. Tu vois, je n'ai pas fait des fois avec mes défauts, des wack wack. C'est ce qu'il me faut, ouais j'ai dû touper. On a viré la mèche, on l'a coupé. Mon navire m'empêche de couler. Mais la vie me rabâche que la plume n'est pas le plan B. T'as dégusté bien avant que le couplet commence navrant. Je contrôle les mots mais la bande. Arrête que l'échec où tu tangue, toujours inquiet, j'ai ma langue. Prêt à tirer comme un tank, je vais t'attirer dans ma planque. On fait pas crédit dans ma banque. Grande est la puissance, quand j'appuie sans, tu la pulsant, tu la pulsance, tu la plus. Je monte le pur sang dans ma pulsante, et la pulsion pousse en descente, j'ai battu. Check, j'ai le vaccin pour les maltraités. Frère, dans mon bassin, tu n'as pas pillé. Bien dans la corsa, ouais, je peux repiller. Tout dans le corps sain, verre éparpillé. Yeah! PH, la réponse. Ok. Let's go! Yeah! Performance. Yeah. Yo. Yeah. Flow magnétique sur le beat, je les déboussole tous, même les ch'tis vont perdre le nord. Quand je vogue dans cet océan, je fais flotter le pavillon, tête de mort. Pas de litige quand j'arrive sur la piste, même si je viens foutre un bête de bordel. Je mets ma confiance en l'éternel, normal, tout le reste est mortel. Ouais, je reste formel, je bats des démons comme cortège. Alors j'tège doucement tout le mal accumulé depuis les années collège. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas les codes de la vie. Je voulais juste être le meilleur et les plus balèzes. Allez, fuck, mais désormais, je me fous de qui a les plus gros biscotos. Car les gars peuvent bien se clasher, moi je laisse les icotos parler. Ils veulent juste faire plus de bruit que toutes les motos Harley. Mais maintenant je suis dans la rédemption comme le poteau Marley. Cette musique est universelle, je crois que tout le monde a sa place dedans. Les seuls codes à respecter sont l'amour du bon son. Donc si tu le veux, passe devant. Personne ne fera jamais l'unanimité. Si on se mettait à s'imiter, ce serait une débilité, car le rap serait limité. Yes, ça... Oh, ça, la coupure était brusque. Net. Donc voilà, là on a regardé le premier battle, donc c'était Pasteur H contre Cléon sur des prods de Freaky Joe et notre ami Lowers qu'on n'avait pas cité depuis le début mais du coup qui était au platine tout au long de cette journée. Qu'avez-vous pensé? Alors ce battle c'est toi qui l'as choisi parce que du coup j'avais demandé que chacun choisisse son battle préféré et qu'on regarde les autres dans la deuxième partie, donc celui-là c'est toi qui l'as choisi. Ouais. Pourquoi t'as préféré ce battle? C'est moi qui l'ai choisi, alors d'abord parce que c'était le premier d'entre eux donc il avait une valeur importante. Puis je crois que c'est un battle que j'ai regardé, ouais, je vous mens pas, j'ai dû le regarder 15 fois quoi. Okay. D'abord pour piger ce que dit Cléon, il va trop vite. Et quant à Pasteur H, il y a énormément de phrases, de punchlines, de choses où tu dois t'y reprendre parce que il faut bien piger. Moi j'aime beaucoup le flow de celui-là, que ce soit sur les deux, j'aime beaucoup les instrus de celui-là, je trouve qu'il est fluide, il est
Ouais, il est vraiment impeccable. Et c'est un plaisir de les entendre, même au casque, même si t'as pas la, même si tu les vois pas en fait. Ouais, c'est un vrai beau titre en fait de Clash. Voilà, c'était mon avis sur celui-là. C'est pour ça aussi qu'on avait choisi de sortir celui-là en premier. Je pense qu'il avait fait l'unanimité. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Vince, mais moi sur puisque ben tout s'est, enfin si on parle un peu du tournage, tout s'est déroulé en une fois. Hein, enfin, je dirais, puisque les gens en ont parlé tout à l'heure à la pause, se posaient des questions de comment on avait tourné. Donc on a tout fait sur une seule journée. Celui-là, c'est le premier qu'on ait fait. Ouais, c'est le premier de la journée. Et moi, je me rappelle bien ouais, que. Bah, moi je savais pas qu'est-ce qu'on allait avoir, voilà, moi, je suis pas du tout dans l'univers hip-hop, et du coup ils sont arrivés sur scène, c'était déjà matin, on a commencé le matin, en fait fin non, début d'après-midi, mais voilà, effectivement nous avions ouais. tout mis en place la technique, ils sont venus répéter, et je crois qu'ils étaient en train de discuter avec des gars, et je les ai entendus répéter, et ça m'a mais stoppé net, c'est-à-dire je me suis dit, voilà, mais là on a un niveau... ça me semble hyper technique et assez dingue comme ce qu'on a en face de nous là, et moi ça m'a vite tout de suite bluffé, ça m'a mis vraiment dans le mood pour la journée quoi. Alors t'as complètement raison de dire que ça, enfin sur cet aspect là, parce que chaque MC qu'on va voir sur tous les épisodes a des particularités, des spécificités, des points forts à mettre en avant. Alors là, si on doit parler de technique rapide dans la diction et tout ça, c'est clair que là on avait deux phénomènes et que c'était un petit peu le match-up qu'on souhaitait d'ailleurs. Donc, et puis ils ont répondu présent là-dessus. Les prods, tu l'as souligné, elles vont magistralement dessous. Donc là c'était Freaky. Hein. C'était Freaky, bon, comme plus, on l'a dit, qui est multi-disque d'or. Parce qu'il est, il a pas fini. Il est signé chez All Day, qui est une structure montée par un Clermontois, qui est une structure parisienne qui s'occupe de placer des beatmakers en fait sur des projets. Et donc oui, il est plusieurs fois disque d'or, on l'espère bientôt platine, on l'espère. Et donc ouais, Freaky, c'est quelqu'un qui maîtrise son truc, qui a une productivité qui est assez incroyable. Parce que je sais pas, je pense qu'il... Qualitativement aussi. Je sais pas combien d'instruits il fait par jour, mais voilà, il a un rendement qui est... Il bosse. Qui est incroyable. Donc ouais, ça faisait un beau match, on avait un beau casting sur celui-là. Et comme tu dis, en termes de technique... Diction. Multisyllabique, rapidité, fast flow, tout ça, je pense qu'on était sur les deux plus gros prétendants dans ce délire là sur le casting global qu'on avait pour Cross Combat en tout cas. Tout à fait, bon voilà, c'était le premier de la journée. On était frais encore. Voilà. Ouais, c'était assez impressionnant. Et puis moi, je m'attache aussi à la partie visuelle, c'est-à-dire que on a deux personnes l'un en face de l'autre, on fait une sorte de duel de western à filmer, quoi. Et là, pour le coup, on avait aussi deux personnages hyper différents, une sorte de basketteur en face d'un petit bonhomme assez propre sur lui, Clarence Cléon. Et moi, quand je l'ai entendu rapper, je me suis dit, voilà, mais effectivement, le physique correspond pas à ce qu'il est en train de faire, quoi. C'est un truc de dingue. Et donc à filmer, c'était assez bluffant. Mais on retrouve dans chaque battle qu'on a filmé, on a toujours aussi ce duel physique assez rigolo, et pour nous voilà, vu qu'on réalise le truc, qu'on le filme, qu'on le met en image, bah ça, il faut que ça joue aussi, voilà, parce que peut-être que vous dans le son effectivement le battle serait le même, mais nous c'est important de le mettre en scène et que voilà, cette opposition physique elle est aussi importante à mettre voilà, et pour le coup on avait quand même de trucs assez qui marchaient bien en fait, donc donc voilà, ça fait partie du truc aussi quoi. Et c'est vrai qu'on l'avait pas précisé depuis le début de l'émission, mais quand on a construit les équipes, on avait une volonté aussi, c'était de faire en sorte que les gens qui étaient dans des équipes ensemble n'aient jamais travaillé. Donc toutes les équipes, on a réussi. Ça a été un peu compliqué parce que Clermont c'est petit, la scène rap clermontoise est encore plus petite, donc forcément il y a beaucoup de connexions qui se sont faites au fur et à mesure des années entre les gens. Bah typiquement moi, le beatmaker avec qui j'ai travaillé sur les 6, c'était le seul avec qui je n'avais jamais travaillé encore jusqu'à présent. Donc c'était cool aussi de, comme tu dis, de mettre des gens face à face, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se croiser, même si c'est des gens du rap, c'est pas des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, et du coup c'était doublement intéressant. Alors sur ce battle là, Pasteur H et Cléon, ça reste quand même des mecs qui sont un peu dans le même esprit hip hop, donc c'est pas celui qui dénote le plus, mais on le verra plus tard dans la soirée, on a des battles où on avait vraiment des chocs générationnels forts, et des chocs générationnels et de style de rap, hein, qui étaient vraiment très différent en tout cas. C'est clair, après je retiens un aspect quand tu dis voilà, enfin il y avait des Clermontois qu'on connaissait pas, enfin plein de choses. On avait envie de montrer plein de choses nous de plein de gens qui existent et qui font des choses ici. Et puis voilà, on n'est jamais trop au courant de tout ce qui se fait, je le parlais tout à l'heure pour Biscuit, de savoir que c'est originaire d'ici, mais même par exemple, je pense que celui qui est le plus dans le game, c'est un Clermontois qui dirige le label de Neptune, sous là où il y a Pharrell Williams. En fait, c'est un gars de Clermont qui est à la tête du label avec Pharrell et l'autre producteur et tout, donc voilà, il est clairement aussi, ça tu le sais jamais, comme quand Cocoon marche, tu dis ah putain. Alors cela voudrait-il dire que l'Auvergne ne sait pas se vendre?
Ou ouais. L'auberge ne veut pas se vendre. En fait, c'est qu'il n'y a que moi qui connais les secrets, je les garde. Et puis voilà, qu'il y a, ou bien qu'il y a une diaspora. Et ça, il faudrait peut-être qu'on en parle, de la diaspora. Au, oui, mais ils font de la truffade et de la ligot. Non, mais non. Une truffade, we trust. Non, après, ce qu'on ne voit pas là, sur cet épisode-là, maintenant, comme il a été mis là, ce sont les deux, enfin, interviews. Oui, c'est vrai, on a coupé les interviews. Qui en disent quand même beaucoup sur les deux gars aussi. Donc, Pasteur H, il dit, oh, le vieux, parce qu'il sait déjà qu'il est plus vieux que tous les autres. Et, ouais. Et puis, Cléon, qui explique que quand il est arrivé à Clermont-Ferrand, il a écouté Pasteur H, donc il ne se connaissait pas, mais il y a déjà quand même une espèce de lien où la scène clermontoise, elle se connaît. Malgré tout, même s'ils se sont jamais vus, moi j'étais frappé aussi quand les gens disent d'où est-ce que tu viens. Je viens de Moulins, je viens d'Issoire, je viens d'Aurillac. Et en fait, Clermont-Ferrand, un peu comme une polarisation de toute l'ex-région Auvergne, quoi. Et c'était, du coup, ça fait une diversité de parcours qui est assez intéressante. Oui, c'est vrai que là, pour ce soir, on a coupé les interviews parce qu'on voulait vraiment se concentrer sur la partie battle et puis garder un petit peu aussi du contenu inédit pour la chaîne YouTube. Mais donc c'est pour ça, on vous invite à aller voir les battles en entier pour découvrir les interviews qui expliquent un petit peu la conception de ces battles et les parcours des participants. Moi, le petit regret que j'ai au final en parlant de ces interviews, c'est qu'on n'ait pas fait les interviews des beatmakers. Je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir aussi le point de vue des beatmakers sur ce projet-là, sur leur parcours, même si je sais que certains n'aiment pas trop se montrer, parce qu'encore une fois, les beatmakers, c'est des hommes de l'ombre, comme les techniciens, mais je pense que ça aurait été intéressant d'avoir aussi des interviews de beatmakers. On note un peu tout ça, parce que s'il y a d'autres épisodes à un moment, donc on a noté qu'il manquait les interviews des beatmakers, les ads Google Ads, Facebook, oui. C'est vrai qu'on et le public. Et puis les cartes Panini, dont tu m'as parlé quand même, avec l'album. Et les peignoirs. Et les peignoirs. On revient sur les peignoirs. On revient. Alors, non, et le public, et le public. C'est vrai que le public, public, ça c'était beaucoup un truc qu'on aurait aimé avoir. Ouais, on sortait de confinement, on avait pour tout le monde. Clairement, les raisons sont louables parce que on est tous. Voilà, mais c'est vrai qu'imaginer la même chose avec une foule entourant le ring en néon, je pense que ça ferait envie à tout le monde. Clairement. Et d'ailleurs, tiens, pour parler techniquement, combien il y avait d'intervenants ce jour-là sur le plateau, parce que là effectivement on voit moi, on voit Lowers, on voit les deux MC pour la captation, combien vous étiez on était, alors écoutez, on devait avoir 5 caméras 5 ou 6 caméras peut-être, et effectivement donc, et avec 5 cadreurs, je pense il y avait une grue, il y avait une caméra et deux ou trois caméras portables et puis une caméra un peu sur un Ronin. Ouais, même si avec deux personnes à filmer, il fallait qu'on mette du rythme en fait pour suivre effectivement le débit. Quand on voit là le débit qu'il y a, il fallait effectivement que nous on montait ça, suivre un peu le truc, plus effectivement Maxime aux lumières, plus après le son, l'enregistrement du son. Du coup, c'est des personnels d'Imago qui l'a fait. Vincent et Valentin. Ouais, ça fait quand même une dizaine de personnes à la technique, un poil moins là, pour mettre en place tout ça. En fait, la journée était intense, en fait, tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a fait ça toute l'après-midi. Donc, du coup, finalement, il y avait quoi, une demi-heure pour le temps de répéter, puis de mettre en place. Je crois qu'on avait conçu une heure par épisode, le temps de faire le changement de plateau, de faire les photos qui allaient pour le générique, plus le répétition, plus tournage. Donc on va dire une demi-heure de tournage par... En tout cas, on a tourné ça de 14 à... 17h, 18h, on a bien peut-être 19h. Ouais, 19h. Nous, on était sur place à 11h ou un truc comme ça. Nous, on a fait le catering là-bas, on a mangé. Mais il n'y avait que l'équipe. Il n'y avait que l'équipe suprême et l'équipe de tournage. Voilà, c'est ça. Les participants sont arrivés entre midi et 2. Le temps de faire le petit speech. Commencer le premier à 14h, un truc comme ça. Ouais, mais c'est vrai que c'était assez intense pour nous. Et du coup, on le sentait au fur et à mesure de la journée. Voilà, mais en fait, et finalement, quand les artistes arrivaient sur l'arène, ils n'avaient pas le droit d'assister, c'est important, au battle d'avant des autres. Donc, ce qui fait que du coup, ils savaient pas trop ce qui se passait non plus. Et puis ils rentraient dans la pièce et puis il fallait tout de suite dans le truc, quoi. Donc ils leur expliqueront peut-être mieux tout à l'heure, mais ouais, je pense que pour eux c'était d'arriver, d'appréhender le décor, le truc, faire ses répètes techniques et tout. C'est voilà, et pendant ce temps-là, le chrono qui défile, c'est pas non plus évident. Et puis l'urgence avec 10 personnes qui te regardent en disant mec, il faut que tu le mettes en boîte là, hein, t'as pas le choix. Donc ouais, c'est pas rien non plus, quoi. C'est vrai que les conditions sanitaires ont pas aidé à. Ouais, c'est compliqué de se mettre dedans, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. D'ailleurs, sur le live des gens veulent nous suggérer des améliorations, on est preneurs. Oui, tous les toujours plus intelligents à deux que tout seul. Donc là, quand on est
une vingtaine, ça sera aussi beaucoup plus facile. Toujours. Moi, juste en amélioration, moi, ben, c'est dans le montage ou dans le séquençage des séances, j'aurais pas fait comme ça parce que je suis là en train de dire vas-y, maintenant c'est à toi, hop, il part en interview. Et en fait, il se passe pas le truc que j'ai essayé de faire monter comme un momentum sur ce moment-là. Et en fait, hop, ok, bon ben, ça part après. Vas-y, maintenant tu réponds. Non, on repasse à autre chose. Mais le problème, voilà, dans le problème des parce interviews... qu'on savait pas comment ça allait s'organiser aussi. Moi, j'ai essayé de faire des choses, voilà, qui essayaient de monter en pression, de faire un truc assez rapide à chaque fois. Je pourrais prendre beaucoup plus mon temps, le faire différemment, dire voilà, maintenant ça va être ça. Allez, on les regarde. Hop, et après, vraiment, quand c'est le moment où ils doivent se lancer, de le faire d'une façon différente. Mais voilà. Si vous avez des améliorations, on est preneurs. On vous le dit, voilà, sur le live, venez sur le chat. C'est vrai que le problème des interviews, on pouvait pas les mettre au début parce que sinon tu perds les gens parce que c'est trop long avant que ça rentre dans le vif du sujet. Les mettre à la fin, c'est le risque que les gens les voient pas. Voilà, c'est ça. Les gens regardent le battle et quittent la vidéo sans regarder les interviews. Donc je pense que c'était quand même le meilleur compromis qu'on avait d'entrecouper puisque ça force entre guillemets les gens à regarder l'interview pour voir la suite. Donc le but du jeu, c'est de voir un mec qui rappe et qu'il explique pourquoi il rappe et comment il en arrive là. Et donc c'est vrai que pour ça, c'est un format qui est une belle carte de visite quoi pour les MC qui ont participé et les beatmakers aussi. Voilà, on a essayé de les valoriser aussi et puis voilà, il y a du talent ici aussi. Ouais. Est-ce qu'on passe au visionnage du deuxième épisode ? Next. Donc le deuxième épisode, si je dis pas de bêtises, c'est Skrice et Illustre sur des prods de Blizzy, donc a été choisi par Alexis. Est-ce que tu peux nous dire peut-être pourquoi ce battle ? Alors, bah après j'avais pris puis celui que tu vas présenter derrière, mais j'avais les deux. J'aimais beaucoup Pasteur H et Cléon évidemment, mais celui-là en fait je trouve que c'est le premier qui est vraiment dans le battle, un peu sanglant. Je trouve qu'il y a une opposition déjà illustre qui est pas très grande, Claire en face de Skrice, il se toise un petit peu, il se regarde et puis c'est un peu vulgaire. C'est du coup là, c'est ouais, ça m'a, je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est le plus agressif en fait des battles et pour le coup, voilà, il correspondait vraiment à ce qu'on peut imaginer d'un battle. Ça clash, c'est un peu vulgos, ça se regarde dans les yeux. Mais moi, là, j'ai trouvé cool, vraiment cool. Quoi. Alors effectivement, Illustre, elle regarde son téléphone par moment pour se rattraper sur le texte, mais au final, j'ai trouvé ça gênant quand je l'ai vu en face de moi. Et au final, ça ne va pas gêner du tout, parce que pour le coup, il y a quand même le truc. Et finalement, c'est un détail dans l'histoire. Ouais, le fait qu'il soit là, ce téléphone, tu sais, on est sur une génération un peu plus, des fois, qui est sur le... Comment dire ? Le spontané compte beaucoup et donc tu vois énormément de freestyle avec des mecs qui ont écrit un texte le jour même ou la veille et qui sont sur des freestyles sur des radios nationales. Donc à la rigueur, on était dans ce contexte là et sur ce battle là, mais il valait mieux qu'elle le fasse mieux que moins bien et en ayant ce genre de, vois, de... Au final, voilà, à la lecture du truc, je trouve ça très cool parce qu'il y a quand même un truc qui se passe, je trouve. Mais clairement, après moi chez elle, même je décelais, tu vois, ce genre de potentiel. Comment dire, à essayer de rentrer dans le dur parce que c'est une bonne femme. Tu peux dire petite, mais elle n'est pas forcément si petite que ça, mais elle a les épaules pour assumer plein de choses. On le voit dans sa manière de gérer sa carrière sur plein de choses où elle est très forte là-dessus. Et bon, après, voilà, comme elle est signée aussi dans un label, elle n'avait pas forcément envie de se mettre sur une opération casse-gueule, sur du battle clash purement. Là, effectivement, c'était pro ce combat, il y avait de l'encadrement, elle pouvait y aller. Elle a eu des choses à dire et j'ai trouvé ça bien. Et que, en fait, elle a en elle cette partie où elle peut assumer cette révélation. Elle est là aussi. Ouais. S'il faut jouer des épaules, elle saura faire clairement. Et tout. Et Skrice a répondu d'une excellente manière. Skrice, super aussi. Je connais ce MC, voilà. Très très bon MC. Puis là, en fait, il a donné tout ce qu'il pouvait. Enfin, moi, je trouve qu'il a très bien fait le travail et que le battle... Ouais, battle marche super parce que pour le coup, je pense qu'il se passe vraiment un truc à ce moment-là entre eux. Alors, je ne sais pas comment ils ont bossé. Alors, je pense qu'ils ont bossé ensemble et tout. Mais ouais, non, je trouve que c'était assez efficace, en fait, clairement. Assez beau visuellement aussi. Super. Pareil, quand je parlais d'opposition physique, là, pour le coup, on a pareil, hein, de physique qui n'ont rien à voir. Et ça se toise quand même. Hein, ça se regarde bien dans les yeux. Ils se disent des choses. Après, il y a plus sur le fond, je crois, qu'ils se disent des choses. Sur la forme, enfin voilà, c'est selon leur truc. Il y a un peu de second degré de la part d'Illustre. Elle parle d'elle, de sa réussite. Et en même temps, ça peut faire paraître un peu égocentrique. Et en même temps, c'est vachement d'autodérision. Et ouais, j'ai trouvé ça cool, effectivement, qu'elle soit capable d'aller là. De toute façon, à la fin du truc, tu sais qu'on se tape dans la main, on se fait un câlin. Et puis voilà. Mais voilà. C'est comme des boxeurs. Une fois qu'ils ont fini le combat, des fois, t'as souvent ça, ils tombent dans les bras l'un de l'autre en disant ouais, super, t'es venu sur le ring. Il y a pas que il y a de la détestation. Ça peut être un moteur sur l'écriture, sur l'interprétation, mais à un moment, voilà, il faut que ça s'arrête.
Bonjour. En plus, j'avais, alors j'ai ouï dire, vous allez me confirmer ou pas, mais que hip-hop, ça, à la base, c'est un truc peace, c'est la coolitude et c'est vraiment la base du hip-hop. On est vraiment sur ce truc-là, on n'est pas sur un truc de haine et de hargne, on est vraiment le commencement du hip-hop, on est vraiment sur un truc, ouais, c'est peace quoi. Ouais, c'est un truc de dos drogué. Mais vas-y, tu peux mieux en parler que moi, t'en parles dans un spectacle Supreme Legacy d'ailleurs, hip-hop culture. Qu'on joue, je sais pas quand, la prochaine date, mais qu'on joue un jour. Tu joues le 16 ou le 17 décembre. Non, mais c'est un autre spectacle. Ah, je croyais que c'était hip-hop culture. C'est quand la prochaine ? 17 décembre. Théâtre de Châtel-Guyon. D'accord. Bon, bref, allez voir sur le. Suivez l'Insta des Supreme Legacy. Supreme Legacy, vous aurez toutes les dates de spectacle. Oui, non, mais alors le hip-hop, il y a ce côté peace, comme tu dis, mais qui passe quand même par l'affrontement, parce que justement, quand ça a été créé, c'était pour amener une alternative aux violences qu'il y avait dans les quartiers et de dire, plutôt que de vous tirer dessus ou de vous battre, vous allez régler les problèmes dans un battle de danse. Alors, ça démarre vraiment par la danse, ce côté battle, mais du coup, il y avait cet affrontement pour régler un conflit, mais voilà, c'était l'alternative de passer par... L'alternative des combats de gangs, quoi. Exactement, c'était ça. C'était une manière plus cool, comme tu dis, tu vois, que de se tirer dessus ou de se battre. Et donc oui, la base du hip-hop, ça reste un message de paix et de respect. Mais il y a toujours eu ce côté qu'on nous on dit ego trip, où c'est toujours t'es toujours là pour montrer que c'est toi qui as raison, que c'est toi qui as le meilleur. Et ça, c'est depuis la genèse vraiment du hip-hop. Donc Et pour revenir à ce battle-là, pour revenir à Scryce, moi, ça a été ma surprise. Enfin, comment dire, la personne qui m'a le plus surpris sur tous les épisodes, c'est Scryce, parce que je connaissais tous les rappeurs avant, donc je savais, entre guillemets, jauger ce qu'ils étaient capables de faire. Et celui qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est Scryce, parce qu'en tant que rappeur, je trouve qu'il a un côté très gentil dans son rap. Même si des fois il fait des trucs, enfin, faut pas si Scry, si tu regardes ça, faut pas que tu le prennes comme un reproche. Il y a plein de rappeurs qui sont gentils. Ouais, il est très franc avec lui-même sur plein de titres. D'ailleurs, je vous invite à écouter son EP. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il a un truc très cool. T'as pas envie de t'embrouiller avec lui quand t'écoutes son. Tu te dis ouais, le mec est pisse, machin. Et quand j'ai vu comment il est arrivé énervé sur le battle, j'ai vraiment été surpris parce que je m'attendais pas à. On prend un autre du casting comme MKG. MKG, c'est... Tu savais, ouais. MKG, c'est la puissance. Dedans, ouais. Je savais qu'MKG, il allait rentrer dedans. C'est ce qu'il a fait. Il l'a fait bien. Mais du coup, ça ne m'a pas surpris. Parce qu'il a fait ce à quoi je m'attendais. Alors que Scryce, ouais, voilà. Pour moi, mais est-ce que, justement, il est arrivé peut-être dans cette démarche-là. Mais en plus, c'est Illustre qui commence, je crois. Non ? Ou c'est lui, c'est plus... Peut-être que... Est-ce que c'est pas... Peut-être d'avoir en face de lui quelqu'un qui a du répondant aussi, va peut-être lui a fait que voilà, d'un coup il faut y aller aussi. Quoi. Ouais, mais ça a probablement joué. En effet, je sais plus qui démarre le battle, mais c'est lui qui le démarre. Bon, alors ce que je dis, il faut. Mais après, de toute façon, les textes étaient écrits à l'avance, mais en tout cas. Oui, ouais. Il s'est mis en condition parce qu'il savait que dans tous les cas, il y avait quand même du niveau en face de lui, je pense aussi. Voilà, il y avait donc allez écouter soit l'album d'Illustre, soit effectivement le EP de Scryce. Les deux là, enfin ses derniers flirts pour Scryce là, son dernier projet. Illustre, bon bah voilà, enfin elle est lancée, elle est signée. Elle bosse sur un deuxième album. Et puis voilà. Il y a pas longtemps, à la coopérative de mai, sa release partie de l'album. C'était un très bon concert. Voilà. Eh ben allez, feu pour le battle du coup. Feu. Regardons. Let's go. Ils vont t'empailler, tu finis à l'ombre pâle, le menton broyé. Ouais, je me bats du départ, à qui tu parles, ouais, t'es barge. Je suis ton patron, j'aime pas le ton employé. Oui, je ne m'adresse qu'à moi pour approuver mes congés. Comme l'océan, elle me voit froid, elle veut mouiller, pas plonger. Pas de rap conscient français, du genre c'est nous que l'État trompe. Avant je n'aimais pas danser, mais je ferai une exception pour ta tombe. Dans tous les cas, si je veux, je vise au-dessus de l'objectif. Elle me dit juste la poitrine, mais c'est allé jusqu'à ses cheveux. À cause d'être un gros poisson dans petite marge, éclabousse. Dans tes clips, tu donnes ton cul, car t'es nul avec la bouche. Pour toi, cette date, hé. Va devenir un jour noir. Si tu ne sais pas manier la barre, apprends à tenir un journal et un balai pour nettoyer la base. Moi Dieu m'a donné mes deux mains pour me tailler la barbe, gagner la partie et grailler ma part. Scryce.
Maintenant la réponse illustre. Toujours la prod de Blizzy. Ok, 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 pour qui tu te prends boy? Bitch, oups, je l'ai échappé. J'ai toujours pas trouvé ta bite. J'ai syndrome de la tourette quand je te parle. T'es tombé comme la première pomme de l'arbre. Symbole de gravité, personne ne se relève. Il percute l'homme blessé, veut acheter mes remèdes. Ouh, il veut tout grailler mais n'a rien à se mettre sous la dent. La légende dit qu'on ne peut pas combattre Satan. Y'a ceux qui font de la musique et ceux qui en vivent toute l'année. Ceux qui font des choix stratégiques et j'ai oublié. J'ai pas de personnage, j'ai grandi. J'suis sorti des livres à la joue, t'as arrêté de pisser au lit. Boy, ouais j'étais plan, t'as pas idée. Avant j'attendais qu'on me l'étende, maintenant j'passe mon temps à refuser. J'ai le déclic pour la grande vie, j'pense au voyage que j'vais faire. Maman m'a dit j'ai obéi, guette l'ascension légendaire. J'ai pas besoin d'artifice pour mettre le feu à la salle. Les yeux brillants, mes complices sont ceux qui t'ont dit mec, c'est du sale. C'est un vilain défaut. Tu prétends faire le poids, mais ta plume ça vole pour le flow. Eminem, l'hymen, refermé quand je vois ta gueule, je sèche. Le gars, je crois qu'il est partout, qu'il a tout un tas de cartouches. Mais n'en est rien, m'a dit l'autre. La sagesse est un art qui s'apprend, parfois blesse, parfois part. Dis-moi, est-ce que t'en veux encore? Jésus m'a dit que la vie s'occuperait de ta mort. J'ai la formule du succès, pas besoin de Pythagore. Racine carrée de rien, ça donne toujours rien. Sans effort, je me dis que je suis pas tombé sur le plus fort. Disparition dans une cache, dans le trou noir où la fille est comptée avant de faire du bluff. Disparition dans une cache, dans le couloir où les petits spermatozoïdes mettent du blush. Demain qui toi et viens faire la prière. Viens découvrir qui tu es vraiment. L'exemple est là, fais d'os et de chair. Fais-toi tout petit et je me ferai grand. L'histoire est comme un grand mon ami. Comme un manga fallait trouver un livre. Le silence est grand et donne beaucoup d'indices. Fallait plus attentif comme Sadio Mani. Ta vie se résume comme par l'arbre. Tu fumes résine, ça te colle encore. Va falloir que tu te résines devant le nouveau McGregor. A chaque punch j'augmente le score. Je transforme mes points en uppercut. Chérie faut travailler ton corps. On t'a jamais dit de faire la pute. Boum! Sale! C'était illustre. Skrice, la réponse. Quand tu veux. Blizzy Music. T'oublieras ta musicalité quand tu rencontreras ton mari aux allocs. Sors du plateau, t'es plus validé. Tu nous fais honte comme Brahim au Maroc. Quand c'est des traîtres, on peut casser des têtes et se passer des textes. J'ai pas attendu la pression pour effacer mes dettes, ni la pression pour écraser des têtes. Toujours adoré dépasser ce cheveu doré, appeler ça l'effet mouillé. Quand j'y mets les doigts, à bouger les oreilles, ils vont se boucher les oreilles au moment où je parlerai dans leur mère et moi. J'ai rappé et levé la voix dans l'école, comme GTA en me passant des codes. Je t'écrase le crâne sur une guitare, autrement dit, je t'envoie dans les cordes. Pas là pour consoler les alters des vôtres que mon ego soulève. Tu veux l'amour, le paradis, mais t'es plus naïf que celle qui croit que la flamme n'est pas une parodie. Tu me suffiras pas, mais on s'enfuira au volant de la Zephyr ou la Zafira. Samira, tant que j'ai Weasley, Ginny ou Virginie et Fira. Le cœur composé de glace et de feu, alors j'oublie l'affect pour cette fois. La vengeance c'est le plat que tu veux tant que je te gifle avec une assiette froide. Skrice du nom, je suis premier, millimétré, neuf et courtois. Y'a ta tête sous les pneus, mais je ne vais pas crever pour toi, non. Bang. Coupure toujours aussi brutale, donc c'était Skrice illustre sur des prods de Blizzy. Tout à fait. Ouais. Alors, qu'avez-vous pensé de ce battle? Bah là, c'était vraiment du battle clash, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Et puis voilà. Moi, j'en ai déjà dit tout ce que j'avais à en dire avant, juste du bien. Et puis voilà. Juste pour rappeler que l'album de Illustre s'appelle Il, avec I2LE, puisque j'ai donné le nom du EP de Skrice juste avant. Mais voilà, moi, ça fait du bien. Moi, j'aime bien ce genre de choses-là. Et c'est des fois un déversoir. Tu sais, dans le rap, souvent, dans les ego trips, les gars s'inventent des ennemis imaginaires. Ouais, t'as dit ça sur moi. Enfin, des trucs qui sont jamais arrivés, mais ça permet de développer une énergie. Puis là, bon, hein, ils avaient pas le... Enfin, c'est un ennemi imaginaire, puisque c'est juste le temps de cette confrontation-là. Mais ça m'a permis de les voir dans cet exercice. Et moi, j'apprécie. Voilà. Ouais, parce que comme on disait, c'est pas des habitués du battle, ni l'un ni l'autre. Chose qu'ils disent d'ailleurs dans les interviews. Ah bah ouais, et tous les deux, c'était la première fois. Hein, clairement. Je crois, hein.
Et donc, ça, pour le coup, ouais, c'est quand même, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le défi même pour eux d'y aller sans trop se poser de questions. C'est quand même pas évident d'aller être filmé, d'aller être enregistré en sachant pas trop où tu fous les pieds, quoi. Donc, pour le coup, là, c'est assez fort d'y être allé sans trop se poser de questions, et notamment pour Illustre, qui, effectivement, bah, mine de rien, elle se développe, sa carrière, elle sort son album et tout, et elle y a été sans trop se poser de questions. Donc, mais ouais, pour les deux, là, chapeau. Franchement cool, quoi. Ouais, elle avait plus à mettre en danger que Skrice, effectivement, sur cet exercice-là. Quant à le niveau de développement d'Illustre, c'est clair qu'elle jouait plus. Si on voulait, elle pouvait pas se planter. Il fallait au moins qu'elle fasse bonne figure, et elle l'a très bien fait. Après, voilà. On voit dans le chat que des gens disent que c'est plutôt Skrice qui gagne, parce qu'il y a des gens qui ont envie de donner des vainqueurs. Ce dont nous, en fait, on s'est totalement affranchi. Et puis voilà. Des gens qui disent Tite Freaks, Monstros et tout aussi. Zig, la puff, le sang. Ils ont vu mon physique. Parfait. Ils ont tout capté. Trojos Battle, ça c'est Zig aussi qui disait ça par rapport au Battle. Le premier qu'on a diffusé. Mais voilà, mettez-vous tous vos messages, on lira plein de choses et tout. Hein. Et Zig, la vengeance est un plat qui se. La vengeance est le plat que tu veux. Quand tant tu te gifles avec une. Moi je le lirai tout à l'heure. Il reprend une des phrases de Skrice du Battle qui dit. La vengeance, La vengeance est le plat que tu veux tant que, je te, gifle tant avec une assiette que froide. Te gifle avec une assiette froide. Bon Zig, apprends à écrire s'il te plaît et reviens mettre des messages plus tard dans le chat. Putain, pourtant je suis un littéraire moi-même. Du coup, bah, on a déjà dit pas mal de choses. Je pense que ça va servir à rien de s'éterniser sur 10 000 trucs. Moi j'aurais une question. Est-ce qu'il y aura potentiellement un jour une saison 2? Est-ce que ça peut être envisageable? Est-ce que ça peut être envisageable? On a vu tout à l'heure sur ce qu'il faudrait améliorer aussi, qu'on a plein de choses à tester. Hein. Ce format-là, moi, il me plaît bien pour plein de raisons. Après, c'était vraiment, si je peux expliquer un peu le concept aussi qui était au-dessus de ça, c'est quand la crise sanitaire est arrivée sur tout le monde, que le spectacle a été mis à l'arrêt. Nous, on a voulu débloquer un peu de budget pour que des entreprises et des artistes puissent travailler à des choses expérimentales un peu. Et Biscuit Production avec Supreme Legacy, ça a rentré dans ce cadre-là, parce qu'on a payé vraiment tout le plateau, tous les artistes qui sont là, parce qu'il y avait beaucoup de boulot aussi à l'arrière, ils ont été payés ce jour-là, un peu comme la boîte. Et du coup, c'était un peu ce one shot là, si tu veux. Donc, mais après, on n'a pas de préconçu là-dessus, parce qu'on voit que ça marche. À l'expérience, on a envie de faire d'autres choses. Ça va être fonction de ce qu'on aura comme moyen pour le faire. Moi, je pense que la porte, elle reste ouverte, ouais, largement. Et puis, on se dit que le concept là, il peut être décliné aussi de façon à proposer aussi plein d'autres choses. Donc il paraît que vous avez plein d'idées. On a toujours plein d'idées. On a plus d'idées que d'argent pour les réaliser. Donc, 100 000 euros, hein. 100 000 dollars le cube. Le cube. On fait un pros combat sur un cube. Ça me plaît, c'est un beau projet. Ce qui est intéressant, et après on va parler peut-être de l'autre battle, c'est effectivement qu'on a quand même, et on peut remercier pour le coup, profiter de ce rendez-vous pour profiter de remercier la métropole qui effectivement quand même accompagne des idées comme celle-là pour soutenir une production artistique, des entreprises et tout ça, et en nous laissant les mains libres pour le faire. On peut en témoigner. Voilà, et donc c'est assez agréable. Parce qu'on va tous dans le même bateau pour essayer de développer ce territoire, de le valoriser, de le promouvoir, et que la meilleure des façons, c'est d'arriver à faire des projets fédérateurs et en collaboration tous ensemble, en étant capable de s'écouter, de s'entendre, d'écouter les référents des uns et des autres, et d'arriver à faire le truc. Alors c'est hyper perfectible, nous les premiers, mais voilà, en espérant que ce soit pas, mais peut-être que ce sera différent la prochaine fois qu'on le fera, mais en tout cas voilà, parce que ça doit servir à tout le monde à la finale. En premier lieu aux artistes, mais aussi à vous, à nous et évidemment à la métropole qui fait ce travail au quotidien. Donc quand effectivement des institutions publiques, politiques, artistiques, entreprises arrivent à se réunir pour faire un truc comme ça, je crois qu'il faut le noter. Et puis ouais, c'est cool, quoi. Voilà, ça, on râle beaucoup pour essayer que les choses avancent, et là pour le coup quand il y a un truc qui se passe, c'est bien de le dire aussi. Non mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que
le truc dont on peut être le plus fier par rapport à ce projet, c'est le fait d'avoir fédéré autant de gens autour d'un même projet. Comme je le disais tout à l'heure, déjà juste dans la scène rap clermontoise, il n'y avait jamais eu de regroupement de toutes les équipes, enfin du moins d'un représentant de chaque équipe. Et là, comme tu dis, le fait qu'il y ait des institutions, des entreprises qui se regroupent autour d'artistes pour faire un même projet, je trouve que c'est beau de prouver qu'on est capable de se serrer les coudes et d'aller dans la même direction pour mener à bien des projets. Donc je pense qu'on peut être fier d'avoir fait ça déjà, tout simplement. En tout cas, moi j'étais frustré vraiment beaucoup, beaucoup qu'il n'y ait pas les gens autour, quoi, qu'il n'y ait pas le public autour. Mmh. Et je pense que une saison 2 sera valable juste aussi pour ça, quoi. Aller jusqu'au bout du truc. Et je pense même qu'aux gens qui étaient sur le ring, ça leur a manqué aussi. Ouais, d'une certaine façon, l'énergie que tu prends avec des témoins, apprendre à témoin les gens. Donc je pense que on sent qu'on peut aller plus loin. C'est ça qui est intéressant. Ça rajoute une pression supplémentaire, le public. Mais j'avoue que je pense que c'est un stress positif. Oui, il va falloir que ça soit vraiment du one shot à ce moment-là, parce qu'il y a certains épisodes où on a refait le tournage ou des choses comme ça. Enfin, on a pris le temps, puisqu'on avait grosso modo 45 minutes, une heure par épisode. Et donc là, en fait, quand tu as le public autour, la première fois ça marche. Quand tu lances une punch, la deuxième fois, ils l'ont déjà entendu, l'effet est forcément moins abouti. Après, tout dépend comment on travaille le truc. Si tu regardes, il y a beaucoup d'émissions où, quand c'est pas du direct, ils refont les trucs plein de fois avec un public et que ça fonctionne aussi très bien. On fait tourner le public. Donc, il y a ça, il y a cette option-là. Enfin, bref, on n'en est pas là, mais en vrai, je pense qu'il y a plein de possibilités pour garder ce côté où on peut se permettre de les refaire plusieurs fois pour avoir le meilleur rendu possible. Parce que si on avait gardé que les premières prises de chaque, on n'aurait pas eu le truc. On aurait fait des bonnes choses quand même, parce que c'était quand même des choses qui étaient travaillées, abouties. Et puis d'ailleurs, quand tu parles du meilleur rendu possible, petit big up à Phoenix qui a retravaillé toutes les pistes en mixage derrière après. Donc, parce qu'on avait quelque chose d'assez brut qui était vraiment bien fait, bonne prise, bonne. Mais après, voilà, sur le terme, la partie mixage de l'instru, mixage des voix, effectivement, il y a quand même des spécialistes du travail de ça dans le rap qui sont passés derrière. Dont lui, surtout lui. Ouais, on peut faire un gros big up à Phoenix, c'est vrai. Est-ce que vous avez encore des choses à dire ou est-ce qu'on passe au battle? Maintenant qu'on a fait les remerciements, on peut passer à ton battle. Oui, là je vais pas trop parler du coup. Ah, c'est le pire. Je vais vous laisser parler. Le pire, il y a un type dedans qui est vraiment. Bon, c'est moi, c'est mon choix, c'est celui que j'ai choisi, mais parce que voilà, on a aussi une dimension sociale à faire et j'ai des copains et donc voilà. Quel enfoiré, pourquoi j'ai décidé de te mettre en co-animateur avec moi là? Quelle mauvaise idée j'ai eue. Moi je clash pas beaucoup. Ouais, Cléon, il est en train de monter une armoire à côté là, et il fait plein de trucs. Non, mais voilà, c'est un épisode qui sort très bien aussi. PES, donc un super rappeur qui a aussi sorti des super projets, dont surtout moi le premier, je me souviens son premier EP où je me souviens lui avoir écrit. Et c'était vraiment fantastique. Et puis là tu aussi, lui as écrit son premier EP ? Non, je lui ai écrit pour lui dire le bien que j'en pensais. D'accord. Mais on peut pas tout dire. Par contre, j'ai écrit ton premier album, mais bon. J'en dis pas trop non plus. J'en dis pas trop. Et puis voilà, et puis vous aussi, vous êtes rentré dans l'esprit battle où il y avait quand même des choses où vous vous titillez. Donc, ouais, voilà. C'est plutôt toi. Après, comment tu l'as vécu le truc ? Un peu plus d'humour que d'agressivité dans tout ça. Mais quand même, voilà, c'était quand même chercher l'autre. Bon, t'avais déjà fait des battles comme les RC ou des choses comme ça, donc. Oui, j'avais déjà fait du battle, donc j'avais une micro-expérience, on va dire, là-dedans. Et après, la manière dont on l'a travaillé, en fait, on s'est vu une première fois et on a juste réfléchi à des angles qui étaient intéressants sur l'un et sur l'autre. Des choses à dire, notamment les cheveux, comme lui a la calvitie et que moi j'ai les cheveux longs. Ça se voit pas ce soir, mais j'ai les cheveux longs. Une perruque. On trouvait que c'était intéressant, voilà, ce genre de choses, la petite différence d'âge qu'on avait aussi. Donc on a fait, voilà, un premier rendez-vous, on a juste poser entre guillemets les angles qui étaient intéressants. Après, on a réfléchi chacun de notre côté. Et après, on s'est revu une deuxième fois où on avait déjà commencé à gratter quelques lignes chacun de notre côté. Et on a structuré le truc de manière à ce que ça fasse un peu une sorte de question-réponse. C'est-à-dire, moi, je vais parler de tes cheveux dans le premier couplet, donc toi, il faut que tu répondes à ce moment-là. Je parle d'une barre de striptease et lui fait référence. Je rebondis là-dessus à la fin, mais c'est ce qui est rigolo, effectivement. Du coup, il y a vachement de liens, du question-réponse. C'était vraiment l'esprit dans lequel on voulait travailler parce que, comme tu disais, j'avais déjà fait du battle, mais les battles que j'avais fait, c'était plus type rap contender. Du coup, tu travailles ton texte et tu sais pas du tout ce que ton adversaire va produire et c'est la surprise le jour J.
Et non, alors tu peux rebondir, ce qu'on appelle des flips dans le jargon, où là tu vas faire une phrase en impro pour rebondir sur ce que l'autre t'a dit avant de faire le texte que t'as écrit. Mais c'est vrai que nous on a trouvé ça intéressant avec PES de faire entre guillemets des flips préparés quoi, où on se répond directement et du coup on a travaillé. Qui était le beatmaker sur cet épisode? C'était l'ami Zicol de EDN Productions, label de rap clermontois qu'on salue. Et voilà, c'était l'occasion de. Qui bosse super bien, Zicol. C'est clair. Il fait des super prods pour The Doug et compagnie. The Doug, c'est fantastique. Hein. Ouais, donc puis il est très diversifié en plus. Ouais, carrément. Zicol, il a un champ très large. Ouais. Ouais, voilà, il a cette faculté à aller sur plein de terrains différents. Et du coup, bah, c'était un plaisir parce que moi, je connais Zicol depuis très longtemps, mais on n'avait jamais collaboré ensemble. Donc, c'était une belle occasion de travailler ensemble. En tout cas, on a passé des très bonnes après-midi à travailler dans leur studio à la coopérative de Mela pour. Ils ont un petit cocon là. Ouais, parce que du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'une fois qu'on avait fini d'écrire, on a été au studio de DN et on avait enregistré. Le battle, les parties voix pour pouvoir la prendre en étant plus à l'aise, donc on avait vraiment et comme ça, enfin même pour les réactions, donc moi j'avais les couplets de PES enregistrés à la maison que je pouvais me réécouter, donc c'était voilà un petit peu comment on l'a bossé quoi. EDN font des bonnes choses, ils ont vraiment un bon petit studio, ils produisent pas mal de choses sur des concerts et là enfin leur tête d'affiche tout de suite c'est The Doug, donc enfin si vous connaissez pas, je vous invite à écouter, c'est c'est phénoménal. Un vrai artiste avec un univers très très singulier pour beaucoup, qui mélange effectivement bah ouais un peu le rap, un peu le rock, le folk, la chanson française. C'est très dans l'air du temps, c'est un vrai mélange de plein de trucs, c'est vraiment chouette effectivement. Et pour l'anecdote, PES a failli pas faire la session parce qu'il était malade. Oui, toute la journée. Oui. J'avais oublié ça, c'est vrai. Oui, PES était on était censé tourner ce battle en premier. Sur la journée. En fait, c'est tourné en dernier. Que moi, je sois dispo après sur le reste de l'après-midi pour m'occuper de faire un peu le à côté, gérer les artistes, tout ça. Et PES avait une extinction de voix de ouf et il était pas sûr de pouvoir. Ce qui n'est pas très pratique quand tu dois faire un battle quelques heures après. Quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, il est retourné chez lui, il a pris beaucoup de miel, il a fait une sieste et il est revenu en fin d'après. Mais on a tourné ce battle du coup en dernier. Et alors, pour les gens qui connaissent PES et qui ont l'habitude d'écouter ses sons, je pense que ça sent. Enfin, en tout cas, ça s'entend. Quand tu connais pas. Ça se devine. Ouais, quand tu connais pas, tu peux ne pas y prêter attention. Mais quand tu connais le rap de PES, c'est vrai que ça s'entend directement à la première écoute. Donc big up à lui d'avoir assumé le truc dans les conditions où il était. Quoi. C'est que tu lui as mis trop la pression, c'est pour ça. Peut-être. Après, peut-être qu'il comptait sur tes talents de fournisseur de rhum pour chauffer les voix. J'ai pas fourni de rhum ce jour-là, malheureusement. Ah. Que du miel. Dis-tu. Allez, on l'écoute. C'est parti pour le battle. Ok, j'espère que t'es prêt mon gars. Comme le Covid, je viens importer tes projets. Pour tenir deux rounds, cousin, faut doser. Je sais que d'habitude la vibe est posée, mais là j'ai qu'un objectif, c'est de crosser. T'es bien trop soft, trop mielleux, et c'est moi qui dis ça. Laisse-moi 16 mesures de plus, on verra qui vivra. Je remets le seum au goût du jour, cousin crie-le dans les rues. Sache qu'un micro dans les mains, je deviens dangereux quand j'ai bu. Je fous la merde, tu secoues la tête, les ennemis aimeraient nous la mettre. C'est fou, j'arrête, je suis sur Namek, je suis bien trop loin pour la terre. Puissance d'un spatiate, la mélodie est spatiale. Je mets le feu si la prod est lourde quand je débarque dans la place. Yeah. Viens pas me taper la bise, on se connaît ni d'Adam ni Divi. Arrête le rap, t'es si risible, retombe Bicraft des DVD. Connexion indivisible, prise de pouvoir. Définitive, t'es dans le passé, dièse TBT. Le taf est fait, no diggity. Ok, la réponse. Toujours prêt, frérot. C'est le PES. On dit que t'as bras long, je vais couper court. Enterrer des rappeurs, je suis né pour. C'est que t'es déjà mort si tu m'écoutes. Tes petits frères encore dans mes couilles. Ça fait 10 piges que je rends les coups. Ma conscience me dit prends-les tous, prends-les tous, prends-les tous. Y'a pas de concurrence, on fait pas le même sport. Je m'étale pas trop, je fais parler le score. Check ton équipe, c'est un tas d'escorts. J'en engagerai bien pour carreler le sol. Tu veux parler bien, on parle somme. Personne guide les miens à part le seum. Appeler à l'aide revient à parler seul. On y passera pas des heures. T'as le même brushing que mes sœurs, mais ça reste moins lisse que tes œuvres.
Je connais pas la compassion, j'ai tout le game dans le viseur. Quand j'ai la dalle, je guette le pétail sur Deezer. Je fais pas vraiment de détails, chanteur rappeur dans le freezer. Mais toi je te graille tout de suite, gourmandise du confiseur, c'est un régal. Tout le monde dit que t'es une crème, ce soir je t'étale, t'es d'humeur suprême, je suis d'humeur létale, P-E-S-S. Et on continue tout de suite avec une deuxième prod de Zicole. Ok. T'as parlé de mes vaches ? Je parie que ta calvitie est jalouse de mes vaches, non. Fallait que le rap lyonnais m'envoie son rejeton. Je suis pas de ceux qui pont le rap, ont pris le melon. Mais ce soir je finis premier, donc t'es second. Tu loues des gamos pour tes peu clichés, je tourne une série dans ma deux si on n'est pas dans le même mood. T'as la carrière d'une barre de strip. Vu que tu veux m'affronter, t'en as peut-être marre de vivre. Je te kick les yeux fermés, appelle-moi Daredevil. T'es le seul noir du bureau, au lieu d'être fier, je vois que ça te dérange. Porte tes couilles, lance-toi dans le rap, faut prendre le destin par les hanches. Moi ça fait 5 ans que je vide ça, la concu, je la dix slap, je t'apprendrai pas la vie, ta chute est inévitable. Je fais des projets toute l'année, dis-moi toi t'es où. À ton âge, je serai déjà loin, si t'y crois pas, t'es fou. Jamais sans ton nœud papillon, t'es mignon garçon. Je mets pas de coca dans mon rhum, mais va me chercher des glaçons. Des glaçons. Sérieusement, des glaçons. Baisse okay. La réponse. Qu'on se le dise bien, si je ramène des glaçons, c'est pour que tu les mettes sur tes bleus. Prends ton ego à tes concerts, au moins vous serez sûr d'être deux. Frottez à moi, je le déconseille, je suis tellement dur que même le béton saigne. On n'aime pas le rap de faible, laisse pas traîner ton 16. Au moins t'auras fait pour le mieux, je te laisse taffer pour tes dieux. Ça y aura même pas ma retraite, je compte pas sur toi quand je serai vieux. Je passe les rapports, t'es maladif, je casse du rappeur, c'est maladif. Tu me dis que tu vis de ta passion, mais t'as du mal à vivre. Dans ma tête c'est l'incendie, j'ai pas trop le cœur à la fête. Dans cette industrie, beaucoup trop passe de kicker à la fête. Je retournerai pas ma veste, on va prononcer la messe. À partir d'aujourd'hui, le cimetière sera ton adresse. Ouais, de mauvais augure comme un chat noir. Tu laisseras ton costume d'MC dans une armoire. Ton cocktail est atroce à boire. On n'est pas des frères si à moi, mais c'est vrai que je ressemble à une barre de strip vu comment tu t'accroches à moi. Et petite frics sur des prods de Zicole. Yes, aïe. Voilà, bon, bah, on a déjà dit pas mal de choses sur ce battle. Elle est très, c'est la plus souriante pour le coup. C'est celle, elle est, ouais. Il s'attaque, elle a, mais il y a bon esprit. Ouais, il y a moins d'agressivité que dans celui-là. On sent de la malice dans les yeux. Et c'est, ce que, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, celle-là. C'est le miel, ça. Ouais, c'est le miel. Un miel spécial. Après, non, c'est quoi, PS et moi, on s'entend très bien. On se fréquente un petit peu dans la vie à côté. Donc, Mais ça, pas beaucoup, ça se sent. Ouais, ouais, d'ailleurs, allez écouter aussi les projets de Titefrix parce que je fais de la pub pour tout le monde. Mais... Oui, c'est vrai. Il y a des clips qui tournent. Il y en a qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. J'ai un album qui est sorti il y a 2 ans qui est toujours sur les plateformes. Et, il y a plein de clips qui sont sortis récemment. Voilà, je sors des clips régulièrement. J'essaie de sortir un clip tous les 2-3 mois à peu près pour rester dans le truc en attendant de futurs projets. Donc, ouais, allez checker ça sur YouTube. Le principal loueur de Airbnb dans le coin pour trouver des lieux de tournage. Ouais, bah, le problème, c'est que j'ai tourné dans toutes les pièces de ma maison. Dans toutes les pièces de la maison de mes parents et dans toutes les pièces des appartements de mes collègues. Donc maintenant, ma situation, c'est de devoir louer des Airbnb. Mais on trouve des trucs très cool. Yes, bah voilà, le dernier clip qui est sorti, qu'on a tourné au Break Bar. D'ailleurs, big up au Break Bar, qui est un petit bar à Clermont où il y a des concerts, où il y a des concerts d'un peu de tout, et notamment des concerts de rap régulièrement. Et d'ailleurs, si on doit parler de ça, enfin, on a une activité. Enfin, je veux dire, localement, il y a quand même pas mal de petits endroits où on peut venir faire des lives. Et si vous êtes des Clermontois, enfin voilà, il y a le Break Bar, il y a Chéo qui fait pas mal de choses au Photomat ou qui une les a avant Raymond Bar. Les soirées rap d'Achéo. Une fois par mois minimum. Avec des open mic dedans, des trucs un peu qualificatifs comme les one-one et les choses comme ça. Enfin, il y a plein de petites choses à faire. Dans l'underground, il y a aussi des choses qui sont vivantes. Voilà. Et puisque tu parles de ça, je vais rebondir dessus. Avec Suprême, on organise. Alors, on a fait que 2 éditions et après, il y a eu le Covid, donc on n'a pas eu le temps d'en faire d'autres. Des soirées qui s'appellent Suprême MC, où c'est aussi des battles de rap, mais comme il disait, plus dans l'esprit one-one, c'est-à-dire que les MC viennent sur scène, rappent sur une instru, il n'y a pas du tout de côté clash, tout ça. Et le jury décide juste de qui rappe le mieux. Et du coup, bah, après, c'est sous forme de demi-finale, enfin, quart de finale, demi-finale, avec le grand gagnant. Donc, le grand gagnant de la première édition, c'était H&O. Le gagnant de la deuxième, c'était Cléon. Et la suite nous dira qui sera le gagnant de la troisième édition. Mais on peut avoir des gens qui viennent de bien plus loin que Clermont, puisqu'il y a un prize money qui, selon moi, fait 200 ou 300 euros, un truc comme ça. Donc.
Et donc le troisième Suprême MC se passera le 2 avril à Moza. Ça s'écrit M-O-Z-A-C. Voilà. Mais suivez l'Insta Suprême et vous aurez plein d'infos. Ça, Et le price money, c'est 200 ou 300 euros, un truc comme ça. Le price money, c'est 300 euros pour le gagnant. Peut venir plus, de loin. Hein. Plus des petits trucs. On est en partenariat avec Radio Campus sur ce projet. Donc à chaque fois, le gagnant remporte une émission à Radio Campus pour faire sa promotion. Et donc voilà, il y a des petites choses à gagner. En 300 euros, les gars peuvent venir de Besançon, du Marais Poitevin, du Pays Basque. Ça finance l'aller-retour si tu gagnes. Ouais. Et la compétition, le tout est d'être sûr de gagner. Enfin voilà, en tout cas, il y a plein de choses qui se passent. N'hésitez pas à suivre, donc, comme on a dit, Suprême sur les réseaux pour avoir toutes les infos. Allez suivre aussi mon gars H.E.O. De toute façon, si vous regardez cette chaîne Twitch, vous devez connaître cet énergumène. Il organise beaucoup de soirées, donc voilà. On a dit pas mal de choses. Merci à vous. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous voulez rajouter quelque chose. Merci pour l'invitation. Bah, c'était un grand plaisir de vous avoir. Merci pour cette invitation. On n'a pas souvent l'occasion de débriefer comme ça en live. C'était cool de t'entendre, effectivement, parler pour Clermont Métropole et tout. Et puis c'est rare pour nous aussi de venir expliquer un peu plus précisément ce qu'on peut faire pour les groupes artistes. Donc c'est les bonnes occasions. On a appris des bonnes choses. On trouvait ça intéressant justement d'avoir, comme on l'a dit plusieurs fois depuis le début de l'émission, d'avoir un petit peu les gens qui sont derrière, qu'on ne voit pas forcément sur le devant de la scène et qui sont tout aussi importants. Donc voilà, on trouvait ça important. Et surtout que le projet vient de vous à la base, nous on s'est rajouté dessus en cours de route, donc voilà, on trouvait ça important de vous avoir avec nous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vous ne partez pas, on va enchaîner avec deux nouveaux invités qui vont rejoindre le plateau. Changement de plateau, il n'y a pas de générique. Non, il n'y a pas de générique, on fait ça, cool, on est bonne ambiance. Allez, next. Allez-y, les nouveaux invités, vous pouvez venir vous installer. Pas trop de... Alors, donc, on reçoit. On va commencer par Cléon parce qu'il a été le plus rapide. Bam. Donc là, on a les deux autres rappeurs de Suprême Legacy. On est les quatre rappeurs de Suprême réunis sur le même plateau. Magnifique. Donc, on a mon gars Cléon. Ça va, la forme? Ça va, tranquille. Ouais, merci. Le temps n'a pas été trop long de l'autre côté du plateau? Non, ça va, t'inquiète. Bon, c'est cool. Et on a mon gars H.E.O. dont je parlais juste avant. Ça va? Ça va, tranquille. Je sors de la sieste. Ah, le gars a fait une sieste d'une heure et demie. Il n'a rien écouté de tout ce qu'on a dit avant. C'était cool. Ouais, c'était cool. Il y avait deux, trois trucs intéressants. Les gars, on va continuer de parler de Pros Combat, mais du coup, ce coup-ci, on va avoir un petit peu l'autre côté, le côté artistique. On va expliquer un petit peu comment vous avez pu travailler vos battles, comment vous êtes senti dans ce projet, est-ce que le truc vous a plu, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dérangé. Enfin bref, on va parler un petit peu de tout ça. Yeah. Déjà, on peut commencer peut-être par dire un petit peu comment vous avez travaillé vos battles respectifs. Je sais pas qui voudrait commencer. Vas-y Clément, tu étais le premier battle sorti. Toujours trop de politesse. Let's go. Alors nous du coup, comme tu l'as dit, à la base j'étais pas censé tomber contre Pasteur. Yes. Donc on a bossé un peu tardivement, comme je le disais dans le premier couplet, j'ai gratté le bail il y a même pas deux semaines. Donc en gros, à deux semaines avant le battle, on a commencé à s'échanger les 16. On s'est tenu informé, donc on s'enregistrait chacun de notre côté, on a pu s'envoyer nos couplets. Et ça s'est fait assez rapidement, on a tout de suite trouvé le truc. Et voilà, on s'est vu une seule fois avant, histoire de se voir et de juste répéter l'enchaînement. Et après, le jour du battle, let's go. Mais ouais, juste on se tenait au jus avec nos 16, et on s'est vu une fois, et après, jour du battle. Et vous êtes vus que tous les deux ou il y avait Freaky Joe avec vous? Que tous les deux. Ok. Tout s'est fait à distance avec Freaky, il nous a envoyé une grosse palette de prod. Ouais, comme on disait, la productivité de Freaky Joe. Ah oui. Donc il y avait du très très lourd, on a choisi assez rapidement, mais il y avait vraiment beaucoup de choix, donc c'était assez difficile. Et après, ouais, non, sans Freaky pour la rencontre. Ok. Et toi du coup? Nous on s'est vus avec Zedon, à chaque fois on a bossé à deux. Chris nous a envoyé une première palette de prod, on n'a pas vraiment trouvé ce qu'on voulait, donc on lui a fait des demandes en fait de ce qu'on aurait kiffé en fonction de ce qu'il faisait, de l'artistique qu'on connaissait de lui et de ce que nous on kiffait aussi. Et donc il nous a renvoyé directement deux prods, c'est les deux prods qu'on a sélectionnés. Okay. Enfin, du coup on les a sélectionnés, il y en avait deux, donc on a sélectionné deux sur deux. Ouais, okay. Let's go. Ouais. Et puis après on s'est capté peut-être trois fois. Et puis on a une manière de travailler qui est assez similaire, lui et moi, c'est de
d'écrire relativement vite de manière très spontanée. Okay. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. En fait, nous, notre battle, il est un peu spécial, un peu particulier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on fait moins du... C'est moins des battles que les autres. C'est un feat. Clairement, en fait... Collaboration. Ce que je dis, tu vois, comme on l'a fait à l'instinct, tu vois, et qu'on l'a fait très spontanément, tu vois, on a vu ce qui est arrivé, tu vois. Et c'était pas un battle, c'était pas un clash, tu vois. C'était... on a ce côté-là un petit peu ego trip, tu vois, mais... C'était un concours de maillot de foot. C'était un concours de maillot de foot, exactement. Et du coup, voilà, tu vois, ça s'est fait spontanément, naturellement. On a écrit nos couplets en parallèle sur le truc. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Du coup, au final, on a même fait des refrains, au final, pour lier nos couplets à chaque fois. Et puis voilà, hein, on a dû se voir 3 fois ou 4 fois pour bosser ça tranquillement. La première fois, on a écrit, après on a enregistré, on a un peu répété, on a modifié 2-3 bails. Et puis voilà. Ok. Et vous connaissiez les autres de votre équipe avant de faire ces battles, ou que ce soit les beatmakers ou l'autre rappeur avec qui vous étiez? Moi, ouais, Pastor H. Enfin, je le connaissais plus en tant qu'humain. On s'était déjà vu sur les concerts et compagnie, mais jamais un partage de son, en tout cas pas de featuring. Et Freaky, pareil, je l'avais rencontré sur des soirées rap, mais j'avais jamais eu l'occasion de poser sur une de ses prods, donc... C'était tout bénef pour moi, un gars que je kiffe, Pastor H, et Freaky, j'adore ce qu'il fait, donc c'était le top. Bon, cool. Et toi, du coup? Chris, pas du tout. Je le connaissais pas. Enfin, je connaissais son nom, mais on s'était même jamais croisé ou quoi. Alors, vous habitez à côté? Alors qu'on habite pas loin, ouais, exactement. Et du coup, The Don, on n'avait pas trop eu l'occasion de bosser ensemble, mais on se connaissait quand même bien, puisqu'on bosse tous les deux avec Freaky. J'avais déjà écouté beaucoup de ces trucs, même les trucs pas sortis, quand, à chaque fois que j'allais bosser avec Freaky, et inversement. Donc on se connaissait, puis au final on est un peu dans la même vibe, donc le courant est passé très vite. Donc ça a été très simple de bosser ensemble et très cool, quoi. Et du coup, depuis, on a rebossé ensemble, on s'est recapté, on a refait des trucs ensemble et tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a créé un petit peu des connexions qui n'existaient pas avant. Ouais. Parce que justement, comme tu dis, on t'a beaucoup revu avec The Don après ce battle, ouais. Alors qu'avant, jamais. J'ai vu que Blizzy était très souvent chez EDN, okay. alors que je crois qu'ils ne se connaissaient pas forcément avant. Donc j'ai l'impression que ouais, ça a créé un petit peu des liens qui n'étaient pas forcément... Enfin, qui n'allait pas forcément se créer s'il n'y avait pas eu ce projet. Donc, clairement. Des liens qui n'étaient pas existants, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est une bonne chose. Et en plus, je pense que, tu vois, comme vous disiez tout à l'heure, clairement, c'est petit. Donc au final, on connaît un peu tout le monde de visu au moins, ou on a déjà tous écouté un petit peu. Mais c'est pas pour ça qu'on se croise. Et ce projet, c'est ça qui est bien, c'est que ça a croisé toutes les équipes un petit peu, entre guillemets. Et puis avec de la qualité. Enfin, moi, je me souviens du jour du tournage. On était juste estomaqué par la qualité de la vidéo, de ce qu'il y avait. Moi qui avais fait le RC Online juste quelques semaines avant, je disais, on est au même niveau. Enfin, je veux dire, il y avait, c'était un studio télé dans le plus dans lequel on avait tourné. Là, et je me disais, je vois pas la diff. Quoi. Ça mettait bien en valeur, bien ce qu'on voulait faire. Et ouais, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Ça a été quoi votre sentiment quand vous êtes rentré dans la salle, quand vous avez découvert le décor, le setup, tout ça là? Vous l'avez ressenti comment sur le moment? Kiffé fort, parce qu'on s'attendait, on savait pas à quoi s'attendre, en fait, tu vois. Et non, très cool, hein. La grue qu'on a vue en premier en rentrant, tu vois, on se dit ok, on est au cinéma, c'est James Bond. C'est bon. Et puis tout le décor avec les néons et tout, non, c'était très 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 stylé, très cool. Ouais, très fat. Agréablement surpris. Ouais, perso, ça a été plus aussi le côté pression, tu vois, parce qu'il y a de l'enjeu derrière. Tu te dis ok, là ils ont sorti du matos, faut faire le taf, tu vois. Donc petit coup de pression positif, bien sûr, mais ouais, c'était impressionnant. Et ça met le petit truc, vas-y, faut que je me défonce là, faut que je fasse le taf. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure là sur le côté qu'on n'a pas pu avoir de public, vous auriez aimé, vous, qu'il y ait un public présent là, ou est-ce que vous avez aimé ce côté intimiste où on était qu'entre nous? Par rapport à l'idée du public, vous êtes comment? Est-ce que vous pensez que ça aurait changé la presta, que ça aurait changé la donne? Pas forcément changer la presta, peut-être changer le rendu final, tu vois. Pas la presta en elle-même, je pense, parce qu'on a quand même, je pense, tout donné, tu vois, fait le truc comme s'il y avait un public. Plus nous, t'as vu, le truc qu'on a fait, tu sais, comme c'était un peu des featuring, tu vois, on l'a fait plus tourner vers la caméra au final que tourner l'un contre l'autre en mode battle, tu vois. Donc s'il y avait eu un public, ça aurait encore en plus renforcé ce truc-là. On aurait eu plus d'échanges avec le public et tout, peut-être, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je pense, on a quand même fait la presta au maximum de ce qu'on voulait faire, tu vois. S'il y avait eu un public avec des réactions, forcément, il y a une énergie qui se crée dans l'échange avec le public, tu vois, comme sur un concert. Donc je pense que ça aurait apporté un truc en plus, forcément. Après, les conditions ont fait
que ça a été sans public, et ça a été très bien aussi, tu vois. Mais moi, je pense qu'un public, ouais, bien sûr. De toute façon, cette musique-là est faite pour être... Enfin, en tout cas, pour le côté scénique de cette musique-là est faite pour être échangée avec un public, tu vois. Sur un exercice live, en plus, comme celui-ci, ouais. C'était lui redonner encore plus de dimension. Ouais, 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 clairement, je pense. Moi, je rejoins ce qui a été dit, hein. C'est clair que, personnellement, je kiffe beaucoup la scène, plus que le côté enregistrement ou création de morceaux. Donc, pour le coup, s'il y avait eu un public, ça aurait été, je pense, pour moi, en tout cas, bien plus kiffant... à vivre. Ok, bon, on prend note pour une future édition si jamais elle a lieu, en tout cas. On a passé des messages forts. Ouais. on n'a pas choisi l'ordre des battles qu'on allait review là. C'est une surprise. Alors, moi, je vous propose un truc, vu qu'on est entre rappeurs ce coup-ci, est-ce que là, on n'essaierait pas de donner peut-être un avis plus critique sur les battles qu'on va regarder tous les trois ? Enfin, tous les quatre, pardon. Ça va être dur, des fois. Ouais, mais ça peut être intéressant. Ok. Non, je sais pas, c'est une idée que je propose. Tu veux une critique sur la qualité du battle, tu veux dire sur... Non, je te dis pas de dire, ouais, lui, je l'ai trouvé éclaté. Mais... tu me connais, frérot. Dire, bah, moi, personnellement, je la donnerais plus à lui, plus comme si on était des juges du truc, tu vois. Vous avez repéré, en fait, il propose ce jeu-là une fois que son clip est passé. Enfin, ouais. Ah, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Faites pas les cons sur le mien, c'est tout. Non, après, tranquille, je propose. S'il y a pas. Vas-y, ça me va. Du coup, par quel battle on démarre ? Est-ce que vous avez une préférence ? Je crois que c'est John qui a choisi, donc ça va être la surprise. On dira les blazes des artistes après visionnage du battle. Yeah. Allez, let's go, c'est parti pour le battle. Hey. FIRB ? Tu veux que j'allume ce mec ? Tu veux que j'allume ce mec ? Hey. Tu veux que j'allume ce mec, laisse-moi cramer la prod. Je te ramène ces mots qui vont tarter la concu. C'est le F, je peux soigner l'approche. Même en parlant bien, ils ne retiennent qu'elle a bon cul. J'ai du recul, mais je vois que ça sert à rien. Tout ce qu'ils font mène à la faute. Ils piquent, veulent donner la malaria. Je suis d'humeur à te mettre une balle pour que tu meurs. Attends mec, c'est pas dans le paddle. C'est du rap, toi tu te mets à nu. Mais ça fait v'là l'atteinte à la pudeur. Baisser la tête, c'est dans tes cordes. Laissez faire, c'est dans tes coutumes. Dans quelques années, t'as des cornes. Moi, dans quelques années, v'là les thunes. On me dit à chaque clash pour motiver la bête, ça c'est sans le cash. Hein, yes, ça se la met dans le casque. Depuis gamin, j'ai pas peur de la cage. Te cache pas dans le fond, tu vas manger la hache. Hein, tu vas manger la hache. Les dieux ont parlé comme Ragnar, je me fâche. Ça va faire tes tâches, redescends d'un étage. Le sol, tu le mâches. La faiblesse de l'homme, à toi seul, tu l'images. Tu maîtrises pas le tour. Pour faire un carré, faut des ronds. Savoir briser quelques attaches. En vrai, c'était lâche, aujourd'hui, t'en fais partie. Y'aura ton corps dans le parking. Y'aura mon score dans les tops. Comme quoi, le bail est bien réparti. Yeah! La réponse, Zig, c'est quand tu veux. Je rentre sur le ring, j'ai pas mis les gants, non. Moi je gratte depuis des millénaires. Rime riche, animosité dans le son. Les M6 cachent quand j'écris des vers. Je rappe ça les cannes, tous les man. Allez basta, j'écrase ta rime, je la castagne. Je les frite, elle finit dans la massa. Je suis ce barbare, qu'est-ce qui vra les coups dans la bataille. Je kick, ça débite, tous ces fous n'étaient pas taille. Vite, j'élimine tous les boucs et les balles naves. Je kick, c'est limite, mais je foutrais la pagaille. Je rappe normal. Un tas d'abrutis arrive, j'ai gratté mes phrases et j'ai capté que beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas la multisyllabique. Fallait que je me balade ce petit goût de banane. Je le garderai, regarde-les autour de moi, ils se pavanent. J'suis le barbelé, Zig arrive solo, mais Zig est déter. Scène de crime, décrivez les faits. Cicatrice dans le dos, tout était clair, tout était permis, terminer les frais. Zig arrive solo, mais Zig est déter. Scène de crime, décrivez les faits. Cicatrice dans le dos, tout était clair. T'as donné des coups, mais sans kiffer les faits. Oh, c'était violent, cette prod, il fallait que je la fourre. On se tire dessus, mais le rap, bah c'est que de l'amour. C'est que de l'amour! Allez, on continue. Effectivement, deuxième prod de Phoenix. Et ben là, on va changer l'ordre de passage des MC. Zig, tu vas commencer. Farb, tu vas répondre. Yeah! Je tiendrai ma parole. Ouais, aujourd'hui, ce sera concluant. C'est l'heure du battle. Mais où est passé mon concurrent? T'es nostalgique quand tu vois que mon ego te fascine. On m'a dit le nom de mon adversaire, je me suis dit là c'est trop facile. Oui j'ai gratté puis j'ai taffé des phrases un peu trop pointilleux sur la qualité. Ton rap est cool, c'est vrai que c'est pas mal, je kick à côté t'es plus validé. T'es dans la merde,
T'as fait la rime, il faut s'y mettre. Tu prends des boîtes tout le temps, mais t'es meilleur en trottinette. Tu bafouilles, rien n'est calculé. Rentrer dans le game, mais qu'est-ce tu fais? Arrête de tryharder le boss, t'as pas le skill, tu peux pas le tuer. Comme un mix de merde, ton public il va saturer. La sentence est lourde et c'est long pour toi. Tu te demandes combien de temps ça va durer. Après mon couplet tu restes inapte. Ouais le zig assuré c'est vérifié. Une question, est-ce équitable? Est-ce l'adversaire que j'ai mérité? Qu'est-ce ta tête tout blanc, tu respires mal? Du mal à rentrer dans cette spirale? Vous pouvez quitter la salle. Un 16 mesures et c'est terminé. La réponse, farm. Hein? Quand tu grattes des peuclos, moi c'est des grossesses. Non, j'dis rien pélo, mais les gros saignent. J'ai la boule au ventre comme une grossesse. Et ferme ta gueule ou je vais te crosser. On dit, la pluie ne fait pas le moine. T'achètes du costla, mais tu fais de l'aumône. J'ai même pas de marche, j'fais kiffer tout le monde. Car y'a pas que tes sapes qui sont plus à la mode. Plus dans ma vie, mais t'es parti quand? Le temps que je m'anime, que je rentre dans le chemin, la foule est unanime. J'ai tout ce qui te manque, tout ce qui te rend, invitez-moi plus grand. Mon flow parle de lui-même, y'a pas d'imam. Y'a pas d'amener tant d'images. Oh, quand j'amène la rime à saigner comme humaine, ça glisse tout seul, j'active le mode l'image. Oh, que des gamelles, les chiens à bois. Mais la caravane passera dessus, m'arrête pas. Tu laisserais les tiens s'abattre. S'il y avait des billets pour penser tes blessures, tout est neuf. Mais c'est chacun sa part. Dès le matin, ça part. Je préfère écrire sur le mur de ma ville avec une Montana. Où sont ma feuille, j'ai le don de tapas. J'ai le don de papa. Et j'suis bourré toute la nuit. Oh oui, j'ai douté la vie. M'a fait honte à moi. J'ai fait bande à part. Solo, j'm'en tirais quand même des ennuis. J'ai le don de papa. Et j'suis bourré toute la nuit. Oh oui, j'ai douté la vie. M'a fait honte à moi. J'ai fait bande à part. Solo, j'm'en tirais quand même des ennuis. Et c'était encore un épisode là, donc on avait les prods de Phoenix et c'était Zig contre Farb. Donc voilà, votre avis? S'il fallait en donner un, on vous en a demandé. C'est lourd. Très chaud. C'est lourd, j'aime bien ce battle. Personne va se mouiller alors. Pour si, moi, alors, moi je peux dire. Hein. Ah, vas-y, dis alors. Pour vas-y, moi, vas-y. C'est le meilleur battle selon mes goûts à moi. Pour moi, il y a tout, tu vois, il y a le flow, la rime, la technique. Les deux gars sont vraiment très très chauds. Si je devais donner un résultat. Sans mouiller, mais je dirais premier, je le donne à Zig et second, je le donne à Farb. Donc pour moi, une petite égalité, mais en tout cas, très chaud les deux. Et encore une fois, pour moi, c'est si je dois donner un battle, ça serait celui-ci. Okay. Ça, c'est okay. Vraiment se mouiller. Bien. Ça... Non, moi, j'aime bien ce battle aussi. Je trouve les deux ils font une bonne prestation. J'aime c'est bien clair. Les prods. Je trouve Farb plus percutant dans l'énergie qu'il ramène. Du coup, moi, je donne les deux à Farb, mais ça n'empêche pas et ça n'enlève pas la qualité des couplets de Zig et de sa prestation. J'aime bien le battle en général, je le trouve chaud. Donc, félicitations aux deux, en vrai. Mm. Moi, après, c'est goût perso, hein, c'est bien totalement subjectif, mais moi, mais j'ai préféré Farb sur ce battle-là. Je vais te rejoindre aussi. Hein, moi, personnellement, je donne Farb sur ce battle. Par contre, je trouve que Zig est plus battle. Enfin, je sais pas comment dire. Genre le couplet de, enfin les textes de Zig sont plus dans un esprit battle, aller taquiner son adversaire, alors que Farb, je trouve, il l'attaque moins. C'est une petite phrase par-ci par-là, sinon le reste c'est plus l'ego trip. Mais ouais, je trouve que Farb est quand même un cran au-dessus sur le battle, donc moi aussi je la donne à Farb là-dessus. Parce que mine de rien, moi je trouve sur des battles comme ça, l'énergie est hyper importante. Ouais. Je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup. Là, je trouve que c'est vraiment ça qui change tout, quoi. Dans l'attitude, Farb, il a le style. Enfin, c'est percutant, effectivement. Ouais. Après, c'est plus sur l'écriture où, effectivement, Zig essaye d'aller chercher. Et moi, enfin, si je devais donner un vainqueur là-dessus, je donnerais Farb, effectivement. Mais tu vois, 55-45, enfin, ouais, il n'y a pas une gifle magistrale dans les cas. Tout est compréhensible. Ouais. Mais... c'est vrai qu'il attire la lumière, Farb, il a ce petit truc-là. Et puis, il faut saluer aussi le fait que Zig était un remplaçant aussi. Ouais, effectivement. Puisque la personne que Farb devait affronter s'est désistée pas très longtemps avant. Je crois quasiment, c'était même après que toi t'es eu... Pasteur H, c'est possible. Ouais, Pasteur H a pris la place de ton premier adversaire avant que Zig soit mis sur le truc. Alors c'est encore plus respectable, effectivement. Donc ouais, big up à Zig, déjà qui a répondu présent malgré le court laps de temps qu'il avait. Parce que ouais, ça c'est un truc qu'on n'a pas précisé, mais en gros, on avait donné la date et les adversaires, enfin les équipes, 3-4 mois avant la date de tournage. Et du coup, toi, t'as dû avoir ton adversaire peut-être qu'un mois avant, un mois et demi. Je ne saurais plus dire exactement. Je pense qu'il y avait un délai genre de 2 semaines parce que aussi Friki avait une galère avec son PC, du coup, on a eu du retard pour avoir les prods. Mais okay. Ouais, allez, on va dire un mois, tu vois. Pour, Ok, mais je crois que Zig, c'était à peu près pareil aussi. Je pense qu'il a dû prendre le truc un mois avant.
Donc du coup, toi, chez eux, t'as eu 4 mois pour te préparer, c'est ça? Ah, de ouf. Non, on l'a fait 2 semaines avant, je pense, hein, en vrai. Mais t'avais la date. 3 semaines avant. T'avais la date bien avant, mais bon. Ouais. Voilà, mais c'est. Tu sais, on travaille mieux dans l'urgence, nous. Voilà, c'était Phoenix, donc sur les prods. Mm-hmm. Big up à lui. Hein. Ouais, qui s'est aussi occupé du mix, comme on l'a dit dans la première partie de l'émission. Qui pourrait très bien le faire comme MC, bête de rappeur. Mais d'ailleurs, enfin, un jour, il faudra qu'on fasse une émission là-dessus. Phoenix m'a dit la prochaine fois, je veux être sur le ring. Ouais, mais très bien. Parce que, alors, je peux le dire, hein, les gens connaissent Phoenix et ne seront pas choqués. Phoenix m'a dit là, les prestations des MC qu'il y avait sur Pros Combat, ça va pas là. Il faut que moi je vienne pour montrer comment on fait du battle rap. Donc voilà, Phoenix a mis la pression. Donc si on en refait une deuxième, je pense que ouais, ça serait cool d'avoir Phoenix en tant que rappeur. Et Zig, pour le coup, m'a dit que lui aimerait la faire en tant que beatmaker si on refaisait une autre édition. Donc Et toi, Vincent? Bah écoute, moi je propose qu'on amène Hermès. C'est un poulain à moi qui est en train d'écrire. Okay. C'est un beatmaker, non? Non, c'est un rappeur. Il connaît les logiciels, mais ce qui l'intéresse, c'est la rime, c'est la mafia, tout ça. Eh ben, on fera Hermès contre Phoenix. Putain, sur des prods de Zig. Putain, ça va chier. Voilà. Le premier match-up est lancé. Yeah. Est-ce qu'il y a des petits commentaires dans le chat depuis tout à l'heure là? Je t'ai pas demandé. Il y avait un petit commentaire qui était assez intéressant, qui disait que c'était bien, il y avait des bonnes images, mais qu'il aurait fallu un petit budget promo pour pouvoir justement mieux valoriser tout ça. Donc voilà, les messages sont passés. Ouais, alors ça c'est vrai. Il y a 2 niveaux de lecture dans ma lecture des commentaires. Il faut prendre le deuxième niveau. On peut en parler. C'est vrai qu'on a initialement, mais ça c'est de notre faute, on n'avait pas prévu. En fait, on n'a pas pensé tout simplement à mettre un budget com. Et du coup, quand le projet est sorti, eh ben, on ne pouvait pas inventer cet argent qu'on n'avait pas. Donc on n'a pas fait de com payante pour ce projet. On s'est basé uniquement sur la promo que les artistes qui ont participé au projet ont pu faire. Certains ont plus joué le jeu que d'autres. Parce que pour l'exemple, moi je suis dans une équipe de 2 mecs, avec 2 mecs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux quasiment. Donc je suis le seul sur 3 à avoir partagé le battle. Mais après, il y en a, quasiment tout le monde a bien joué le jeu, a bien relayé le truc. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on s'est contenté uniquement de ça, quoi, de la. Mais les gens attendent des jugements. Hein. Grosso modo, ils nous demandent de nous mouiller, puis voilà. Mais ils trouvent que le battle a été bon, que farm légèrement effectivement sur ce coup-là. Ok. Et j'ai vu que Zig était dans le chat tout à l'heure. Est-ce que Zig s'est manifesté là? Sur ce coup-là, non. Ok. Pour toi, c'est qui a gagné, Zig? Zig, on attend ton avis. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au battle d'après. C'est le battle surprise. Qui ça va être? Alors maintenant, il nous reste 2 possibilités. Hein. C'est soit HEO. Soit MKG Sonore. Yes, I. Allez, la surprise. Découvrons. Yo, yo, yo. C'est le M, c'est le K, c'est le G, gros. G-Lécro. Yo, yo. J'arrive sur l'instru comme un 2-125. Je nettoie mon âme dans un bain de sang. Porte les tiennes, je m'en bats les couilles que toi t'es 125. Leur couplet non, ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. Génération t'es moche si t'as pas de sein. Génération t'es mort si t'as pas de sous. Mais t'auras tes likes sur Insta si t'as pas de sap. Génération mytho, ils savent rapper que d'après leurs potes sourds. Passons, balèque, je pète mon pétard, je me pète la tête. Pas de ces boxons avec les mots. Je crois que c'est la vérité quand tu dis que je suis bon qu'à mettre le boxon, le fire, le bordel. J'arrête demain peut-être, j'ai fumé des palettes. C'est même plus des barrettes. Je reviens du futur, j'ai garé ma navette. Attention. Ils ont foncé dans le mur. J'ai foncé vers le mur du son. Faut calmer la police, y'a trop de bavure et y'a plus de respect. Donc j'emmerde le merde ici. Objectif c'est faire des sous, des sons. Mais je suis robotisé donc jamais je décède. Je désire des sommes, des chèques. Je l'ai déjà dit, je suis pas voué à l'échec, imbécile. Sonore dealer, je crois qu'ils sont morts, je suis le killer. Je veux ma villa dans le vide avec videur. Je regarde pas l'altitude, la vitesse est ni l'heure. Yo, y'a pas de casa des papels. Je suis en hauteur, avec la NASA j'ai pas peur. MK j'ai les gros des vraies valeurs. Je vais skiller plus que les avaleurs. Yo, yo, yo. Yo. La réponse. Sonore. Hey. Vise la Doloréane, moi j'arrive du passé, tu peux m'appeler le doc. Savant fou bien faire respecter les codes. Ils m'ont mis sur le ring donc moi je les coigne, leur nouvelle école. Leur absence ne serait plus à la mode. Ils s'inventent des histoires de trafiquants de drogue ou de cœurs fragiles pris par des histoires de love. La vérité ils n'ont rien à dire sur l'époque. Déterminés faut que je les termine. Ils prolifèrent comme des termites. N'ont rien dans leur crâne, sont-ils débiles?
ville. J'crée aquarium avec leur tête vide. Toujours à l'heure comme ma prêtling. Prêt pour l'embuscade comme un Viet Minh. J'ai trouvé leur nid, là j'suis verni. Crie panique dans les rangs de l'ennemi. J'leur promets bien plus que des vertiges. Leur coupe le souffle, même à l'air libre. Pas de tour de magie comme le prestige. J'les fais dérailler comme dernière ligne. Je ne laisserai passer comme Edwin. Ils finissent en morceaux comme Erwin. Après mon passage, juste un verre vide. Un parfum de poudre et de fraîche huide. Regain de tension pour ceux qui en échappent. La pression est au max et moi j'adore chat. C'est les proies ne peuvent plus se cacher. Le fauve est là, j'ai derrière ton dos. Je vois de la transpiration, mais la ventilation, si tu veux pas étouffer. Certains diront que je les ai bouffés. D'autres diront que je leur ai tout fait. Norso. Yeah. Hey. Yaya on the track. Oh, ce combat. Ils veulent de la performance. Hey, c'est l'heure de la randonnée. Wouh! Check. Verbal, pistolero, je maîtrise le game. Pas de piston, mais non, je compte sur moi-même. Devant l'addition, ils blémissent, je me gêne pas. Ils paieront tous ces fumistes de merde. Mission accomplie, personne me freine, tes disques en rougissent. N'aie pas la haine, je compte mes accomplissements. Tu comptes tes gemmes, trêve d'applaudissements quand je me déchaîne. Champ de bataille, pas de détails. Au calme, coupe des têtes comme Kyokai. Après minuit, me transforme comme Mogwai. J'ai killé high, cherche Kobay. Oh my god, puis je disparais comme Kobayashi. Ils tentent de me copier comme Kakashi. Mais je l'ai tranché dans le vif façon Kenpachi. Je les dépèse comme chasseurs d'ours. J'ai qu'une minute, je me dépêche. À ce qui paraît, vendre cher leur peau. J'espère faire le plein d'espèces. À ce qui paraît, là, ce qui pèse, là, c'est l'heure de vider leur caisse. Ils font du lourd, ça tombe bien ce soir. Ils vont lâcher du lest. Wow. Je les laisse à poil en bikini, fumer. Je graille ces gros poissons sur des plinis. Je le fais. J'ai remis le gant de l'infini. Oui, oui. Je claque des doigts et c'est fini. La réponse, MKG, quand tu veux. Tu veux de la perf? Ah, tu veux de la drill? C'est le M, c'est le K, c'est le G, gros. Ah. Pas de liasse, mais je tape la démarche. Tu connais le M. Tu connais le DEL. Yo, yo. MKG trop les crochets du bétail. Tu peux me voir habillé sur une bécane. Je connais 2-3 escrocs qui font le détail. 2-3 tollards qui t'appellent d'une bécane. J'attends chez que le liquide ou le Paypal. On t'oubliera jamais si tu payes pas. J'ai les yeux bridés comme habitant du Népal. T'as fumé la patate, t'es devenu très pâle. Je suis sur le terrain, t'es dans les cages. Quand j'arrive, la concurrence elle dégage. C'est la rue, c'est la juge, y'a pas d'arbitre. MKG du sursis, ouais j'ai des gages. J'ai la haine, donc le soir j'écris des pages. Sur mon polo de fond, hein, y'a des taches. Dans la bouche orageux, ouais y'a ma bite. Dans la douche, ils aiment rechanter mes faces. Tout le monde m'énerve, personne m'efface. Car le maître du temple a la maîtrise. Comme à l'époque, l'école, j'étais maîtresse. À l'hôtel, sous rapta, je joue à Tetris. La vie, c'est pas facile, ça laisse des traces. La retourne, elle t'écrase, et là, c'est triste. Moi, j'ai visé la lune comme le petit prince. J'en ai marre de prendre des chevelas à l'épice. Me cacher les crocs, même allongé sur le sofa. Si je prends une peu phrase, ça sent ses fûts. J'aime le shit, bah les couilles de sa copine Sophia. Ça suffit. J'en ai marre d'esquiver la police couleur saphir. Ça fuse, ça file, ça suce. Pirate cherche l'or à bord de son navire. Salut. Bah voilà, on est de retour. Là, c'était MKG contre Sonore. Les prods, c'était Yaya on the tracks. Enfin voilà, moi je donnerai mon avis juste après, mais d'abord je vais écouter les vôtres. Et d'abord lire un petit peu le message. Effectivement, Ziglarim, il pense que c'est lui qui avait gagné. Il a raison, il faut s'affirmer. Et quelque part, on est complètement d'accord. MKG Sonore, il est considéré par certains comme le meilleur battle de l'édition. Mm-hmm. On va pas forcément leur donner tort. Il y a vraiment des choses, voilà, grosse presta ici. Puis on leur passe à tous les deux une dédicace. Sonore qui a été finaliste du dernier Supreme MC. Ouais. Voilà, ouais. Donc très très bon rappeur. Et MKG, enfin j'en parlerai juste après, mais voilà. Vous en avez pensé quoi? Bah moi c'est aussi mon battle préféré, à part le mien. Et et tripping. Non, j'aime bien la presta des deux. Vraiment, je trouve MKG vraiment très 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 fort. Je trouve ils sont pas trop dans l'opposition. Je trouve ouais. J'aime bien la manière dont ils ont fait le truc. J'aime bien, j'aime vraiment vraiment fort les passages de MKG. Je trouve qu'il y a une énergie incroyable et je trouve qu'il survole le truc. Sonore, il a des couplets très chauds. Moins dans l'énergie, justement. Moi, j'aime ça, l'énergie, tu vois, vraiment. Mais je kiffe ce battle, je le trouve très chaud, franchement. Mais je pense que c'est pour les mêmes raisons que le battle Farb-Zig. Moi, c'est pareil, je donne MKG avec un léger age, tu vois. Ouais. Mais comme tu dis, je pense que c'est l'énergie qui fait que,
qui passe au-dessus, tu vois, parce qu'il a la hargne de ouf dans son battle. Ouais. Puis il a des vrais textes quand même, tu vois. Ouais, aussi, ouais, tu bien, vois, sûr. Bien sûr. En fait, moi, c'est ça que j'ai toujours aimé chez MKG, tu vois, c'est que c'est un mec qui a les codes de sa génération, mais qui a une plume un peu à l'ancienne, je trouve. Ouais, enfin, ouais. Je sais pas comment dire. Dans la manière d'écrire, je trouve que tu mettrais ce genre de truc sur du boom bap au début des années 2000, ça passerait tout aussi bien. Et alors, il le fait bien avec les codes d'aujourd'hui, mais non, je trouve qu'il est vraiment, vraiment fort. Et puis après, bah, Sonore, l'expérience, hein, il est là depuis un moment aussi, Sonore, donc donc très très chaud, fort, très bon battle. Ouais. Moi, je suis d'accord, je vous rejoins sur celui-ci. Je trouve MKG un petit peu au-dessus. Moi, c'est vrai qu'il m'a aussi beaucoup impressionné. Je pense que les premières fois où j'avais dû le voir rapper, c'était sur les open mic que tu faisais sur Instagram en ligne. Ah, les rap time confinés. Ouais, c'est ça. Yeah. Et je le trouvais déjà très très chaud sur de la trap. Il a un flow monstrueux, je trouve. Et j'ai beaucoup apprécié aussi ce battle. Et si je dois donner un vainqueur, ce serait aussi MKG au-dessus. Ouais. Et moi, enfin, tu vois, sur le papier, je suis plus un gars qui va aimer le rap de Sonore sur ce qu'il peut dégager. Après, sur ce que dit MKG, c'est moins ma cam. Bon, même si on habite la même ville. Mais voilà, moi, je l'ai vu la première fois, c'était au Raymond Bar sur un rap time et tout, enfin, ou quelque chose. Mmh. Et il a une énergie qui est juste, qui peut que te convaincre. Moi, je sais que quand il rappe, déjà en plus, il est gentil comme tout, et puis voilà, mais quand il rappe, ben, il est convaincant. Je veux dire, même si, tu vois, au départ, je dirais qu'il partait avec des points en moins pour moi, mais là, tu peux que te laisser séduire si t'es vraiment dans le jugement réel. Enfin, moi, je sais que c'est convaincant, ça, et j'adhère à ce qu'il fait, c'est vraie énergie. Dans l'interprétation, il y a un truc de fou chez ce gars-là. Si un jour vous avez l'occasion de le voir en live, allez-y. Enfin, c'est assez fabuleux, c'est assez fabuleux. Voilà. Et les prods de Yaya qui sont aussi assez très incroyables, chaud. Il faut le saluer. Yaya, mon gars, si tu nous regardes, je te passe une petite dédicace. Pour l'anecdote, quand j'ai commencé à faire du rap, c'est le premier mec que j'ai rencontré, Yaya. Tout début, je parle de ça, c'était fin 2008. Il avait un autre nom à l'époque, non? Il avait un autre nom, alors je sais pas s'il l'apprécierait que je le donne, non. Donc je vais pas le donner par sécurité pour ma vie privée, mais Yaya, c'est un gars que je connais depuis fin 2008, début 2009, un truc comme ça, et c'est assez fou de voir le parcours qu'il a eu, puisque aujourd'hui, bah, on a parlé tout à l'heure de All Day. Donc c'est lui qui a fondé All Day, donc c'est une structure qui est basée à Paris où il s'occupe de... C'est de l'édition, il s'occupe de placer des beatmakers, notamment Freaky Joe et d'autres artistes qu'il a dans son catalogue. Et il fait ça très bien, enfin, il a vraiment en plus d'avoir le talent musical, d'avoir le talent d'essayer d'aller convaincre et de... Lui il est battu par rien, il c'est est assez bluffant. C'est un commercial les gars, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller à Paris à Universal, j'y vais, je frappe, je rentre, je pose des prods, je signe un truc en licence. Enfin, il a un culot monstre et qu'il assume. Il a un côté Jean-Claude Van Damme, pas dans le côté de Benet, mais dans le côté j'y crois. Et un peu comme Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est moi le meilleur, les gars, je vais vous le prouver. Il a un petit peu ce côté-là, c'est assez bluffant. Et puis voilà, derrière le succès est là, enfin, je veux dire, il en vit, il est très bien, et puis voilà. Fin... Oui, puisqu'en plus, là, il a placé maintenant pour des gros noms. Hein. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il a placé pour Booba. C'est pas lui. Hein, c'est pas lui. Ah, donc il a placé un de ses beatmakers. Il a placé Caris. Il a placé Caris. Et Naka, qui est un beatmaker qui est signé chez All Day, il a placé sur Booba. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, gros big up à Yaya, et ça m'a fait très plaisir qu'il accepte de participer à ce projet. Clairement. Parce que Yaya, c'est quelqu'un qui s'était beaucoup éloigné de ce qui se passait à Clermont depuis quelques années, pour des raisons personnelles, et qui s'était totalement détaché de ce qui se passait ici. Et comme tu disais, il vit très bien aujourd'hui, et quand je lui ai proposé de participer à ce projet, j'avais un petit peu peur qu'il refuse pour des raisons budgétaires, dans le sens où... ce qu'on lui proposait était ridicule à côté de ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Mais il a eu peur qu'on lâche son ancien blaze et tout. C'est vrai qu'on a un moyen de pression sur lui. Et moi, j'ai un disque dur avec une centaine de sons de lui qui datent de 2008 à 2015. Donc j'ai des vrais moyens de pression. Mais bref, en tout cas, j'étais très content, très content qu'il participe. Gang. Biscuit Prod qui s'abonne. Hey, je sais pas qui c'est, mais merci à vous. Hein. Il y a le nom des gens qui s'affichent quand ils s'abonnent. Exactement. Oui, t'avais pas remarqué depuis le début. Je me suis abonné tout à l'heure, t'as pas vu? Non. Mais donc voilà. C'est comme le Club Dorothée, allez-y, abonnez-vous, on va citer tout le monde. Ouais, pour l'instant on peut se permettre de citer tout le monde, je crois qu'on a 90 abonnés, un truc comme ça, donc c'est pas,
ça devrait le faire. Donc voilà, en tout cas, juste pour dire que j'étais très content que Yaya accepte de participer à ce projet. Et je suis encore plus constant parce que j'ai l'impression que ça l'a un petit peu rabiboché avec ce qui se passe ici. J'ai l'impression qu'on le voit plus dans les soirées locales depuis qu'il a fait Pros Combat. Complètement. Donc c'est une petite fierté personnelle d'avoir réussi à ramener cet oiseau rare dans le game clermontois. Exactement. Rare. Oui, parce que c'est le bon terme pour Yaya. C'est un oiseau de nuit difficile à attraper. Donc il nous reste un battle à regarder. Le meilleur pour la fin. Ping. Le meilleur pour donc, la fin. Il va opposer H.E.O. à The Don sur des prods de Chris. Chris Jeezy. Chris Jeezy, exactement. C'est ça. Ben voilà, ben là c'était... Bon, on va pas vendre le truc, on va le regarder. On regarde, on débriefe après du coup. C'est ça. Yes, I. Let's go. Yeah. Yeah. Chacun de mes refs a un pète au casque. Les liens sont solides, tu veux que je téléskie. Assise dans le stud, on se pète au style. Ton équipe entière sera téléski. Wow, chaque jour, péter les scores, baisser les stores. J'illumine la nuit, laissez-les parler, puis laissez-les stère. J'élimine l'ennemi, puis j'écris l'histoire avec son sang. J'en cinquième sur la voie de gauche, t'écoute chanter avec ta voix de gauche. Première occasion, rate pas le coche, tu baisses ton fut pour avoir le buzz. J'suis au charbon toute la semaine, sang de M6 sous la semelle. Pas du genre à stagner sous la verse, maillot du Clermont foot sous la veste. J'règle le monde tête haute, regard fixé vers l'horizon. Yeah, bien sûr que c'est le sommet que nous visons. J'attrape la Lulu pendant que les frappes sont dévisées. Rendez-vous sur le terrain, frère, éteins la télévision. J'hésiterai pas à tirer dans le cœur, les balles pleuvent, commandant de guerre. Yeah. Moi j'ai peur, commandant de guerre, donc j'crie, j'te fais pleurer. Tu dis dans que Sphinx, glacier, j'te prends de haut comme gratte-ciel. Cœur de couleur, anthracite, encrassé, trop près des flammes, mais j'suis 10 fois plus fort dans le brasier. J'embrasse mes ennemis pour que mon art s'élève. Yeah. Plus le temps d'attendre, j'en ai marre, c'est l'heure. J'arrive violent comme la Marseillaise. J'étais lucarne comme Bayo, yeah. Meilleur buteur comme Bayo. Que des vrais hommes, on se sait, c'est pas tous les sacrifices qu'on a fait. Meilleur buteur comme Bayo, numéro 9 sur le maillot. Que des vrais refs, on se sait, c'est pas tous les sacrifices qu'on a fait. Le Numa MJ sur le gâteau, roulé en AMG, même si la NG restera toute seule sur le bateau. Restera toute seule sur le bateau. J'aiguise tous mes sens, j'roule à contresens, les mains dans la boue, c'est tout crade. J'attends ma paye, c'est tout fade. Et ta grognasse voudrait te faire. Je rallume un pli sur le boulevard, je suis dans le fond peu bavard. Je perds le chemin de la zone et tous tes copains les balles trinquent. On peut leur ôter la vie, je suis hôtel, donc baisse d'un ton, l'ami c'est ok. On se rejoint dans un petit hôtel, je mettrai le compte comme si je t'ai menotté. Guette le rétro, je suis dans ton cul, en fond de sixième, mes plaquettes sont douteuses. Tu fais le gros parce que t'as bibi de trois plaquettes, mais ta con c'est coûteuse. Que des talents gâchés dans la Volvo, sans un ballon, ils vont te montrer c'est comment. Tu nous as pris pour tes types, on a débarqué, t'es parti en courant. Que des lucarnes comme Bayo, meilleur buteur comme Bayo. Que des vrais hommes, on se sait, c'est pas tous les sacrifices qu'on a fait. Meilleur buteur comme Bayo, numéro 9 sur le maillot. Que des vrais refs, on se sait, c'est pas tous les sacrifices qu'on a fait. Yeah. Que des lucarnes comme Bayo, Bayo. Meilleur buteur comme Bayo, Bayo. Que des vrais hommes, on se sait, c'est pas tous les sacrifices qu'on a fait. Meilleur buteur comme Bayo, numéro 9 comme Mayo. Que des vrais refs, on se sait, c'est pas tous les sacrifices qu'on a fait. Après toutes ces dédicaces pour Mohamed Bayo, meilleur buteur de Ligue 2 pour la montée de Clermont en Ligue 1. Hey, hey, hey. Wow. Vrai pour leur plaire, j'ai du mal à me montrer sur les réseaux. A tort ou à raison, envie de les faire toutes les saisons. Je me rappelle des foot qu'on faisait gamin toute l'après-midi au Céso. On se mettait des enroulés, des transversales et des ciseaux. Chris envoie une prod et j'assise. Ça rigole, ça ricane. Que des talents gâchés, bousillés par le shit, par le genre, matrixé par les gros tarfs, les grosses liasses. J'ai du moelleux pour ta grognasse. J'ai les épaules et la mentale pour les éteindre. Effet Bellec aux uniformes, ils pourraient confondre un taser et un vrai flingue. M'a demandé c'est pour quand. J'ai promis, je dois rien te faire tout le clan. J'écris autour, c'est le boucan. Ouais. Le sein vient de terminer tout le clan. Yeah. Tati dans la sacoche, tu voudrais nous faire trembler. Tu crois qu'on te connaît pas, mais on s'est très bien quitté. Yeah. Ouais, on s'est quitté. Yeah. Sur le terrain avec le sourire comme Ronaldinho. La défaite on a dit non, on va te montrer qu'on a le niveau, on va try. Croco dans une maracana. Premier petit pont et le city se transforme en maracana. Ouais on assure le spectacle. Tu t'es cru au-dessus de nous pour ça qu'on te respecte. Ah Chris envoie une prod, on verra ce qu'il en restera. Dans quelques années on prend la coupe, on fesse toi. Toi, t'es pas le sang, t'es la sangsue. Tu joues le Golgoth, t'es juste nul. C'est pas que les gens boycottent, on a rien sensué. Ta meuf me trouve sensuel. Au charbon non-stop, j'fume ton couplet mensuel. Wow, la
balai dans notre camp. Posez-vous déballer les pop-corn. Tous mes refs dans la fusée, dis-moi on s'envole quand. Un coup de pied, le sol tremble, j'ai réveillé les volcans. Yeah. Tachi dans la sacoche, tu voudrais nous faire trembler. Tu crois qu'on te connaît pas, mais on sait très bien qui t'es. Ouais, on sait qui t'es. Et voilà, on est de retour. C'était donc un H.E.O. The Don sur des prods de Chris. Bon, je connais pas la fin du blaze, mais Chris, vous allez la dire. C'est comme Young Jeezy. Avec mais Chris à la place de Young. Ah purée, ça c'est un bon moyen mnémotechnique pour que je m'en rappelle. Ah ouais, c'est, je pense que c'est une référence à ça. Hein. Bon, ben là, c'était quoi? C'était un battle ou c'était pas un battle? Long battle, long. Avec battle. Des refrains, des bacs et tout, les gars. Exactement. Vous avez retourné le système, là. Déjà. Mais ça donne bien, ça donne bien. On crée notre propre système au milieu du système. Waouh. Microsystème. Exactement. Non, mais ouais, comme tu dis, c'était intéressant parce que c'était. Bon, là, c'est compliqué de juger, hein, techniquement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est dur de donner un par rapport à l'autre, vu que c'est un feat et que les deux ont bien fait le taf. Mais voilà, comme on a dit dans la première partie de l'émission, je trouvais ça intéressant de voir les différentes choses que les artistes pouvaient présenter, et notamment cet épisode qui est celui qui se détache le plus des autres et qui est tout aussi cool en vrai. Clairement, il vient amener de la fraîcheur parmi au milieu des autres épisodes. En fait, c'était le but et c'est réussi. C'est réussi. Et puis voilà, juste quand je lis les choses, bah, y a le spectre qui dit que... Ah, il dit plein de choses. Il dit déjà que je dis bien des bonnes choses, déjà. Et il dit que pour lui, c'était Sonore qui gagnait, malgré la presta du M, pour lui. Okay. Enfin voilà, c'est son avis. On n'avait pas le même ici sur le plateau. Et là, il vote The Don pour FIFA et H.E.O. pour le battle. Et là, c'est punchline. Lui, en fait, faut qu'on lui fasse faire du rap à The Spectre. Non, mais frérot, tu vas juste voir que quand on va faire le battle final de FIFA, tu vois, je laisse la place aux gens pour qu'il y en ait qui puissent venir pour le tournoi final, que je sois pas tout seul, tu vois. Et voilà. Mais la revanche sera prise, t'en fais pas. Je le rappelle pour ceux qui n'arrivent que maintenant, effectivement, une semaine sur deux, c'est Specialty... Tea time ou pas loin de même chose. Je mélange plein de noms, excusez-moi. Admiralty, non? Spécialty, on dirait un jus de fruits. Tea time qui est présenté effectivement sur la chaîne par Titrix. Et une semaine sur deux, c'est H.E.O. qui reçoit un rappeur et après il joue sur FIFA. Et quand il a reçu The Don, et ben The Don a perdu. Moi, si j'écoute le spectre m'a dit ouais, il l'a taloché quoi. Ah ouais, gros, regarde le replay, il m'a pas non plus éclaté. Hein. On a fait un match, on a fini aux prolongations. Un match que j'ai gagné, un match j'ai perdu 2-1. Ouais, ben pour lui, c'est éclaté. Reste bah, calme, mon ref. Ça, c'est le côté de Nico. Bon, revenons sur ce battle. Que dire sur ce battle, du coup, les gars, vous avez... On t'a pas entendu sur ce battle. Moi, je donne petite préf pour H.E.O. parce que je préfère le côté kickage, tu vois. Non pas que The Don ne kick pas bien, selon moi, mais j'ai une petite préf pour H.E.O. Après, niveau prod, c'est moins ma cam. Petite préf pour la première aussi. Premier passage, et après bah, j'ai kiffé le fait que ce soit à contre-pied, tu vois, qu'on se dise bah vas-y, nous on fait un morceau, et je trouvais ça original et j'ai bien kiffé. Avec un refrain, c'est vrai que vous êtes les seuls du coup à avoir fait le petit refrain au milieu pour enchaîner les deux couplets, ce qui passait bien aussi, hein, en vrai. Ouais. C'était un match de maillot de foot, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'était l'Atlético de Madrid contre le Clermont Foot au niveau des tenues scéniques. C'était volontaire ça ou pas? Pas du tout. Absolument pas, on s'est habillé comme ça. Moi je venais d'acheter un maillot. T'en parles dans le couplet, mais bon, donc c'est normal. Ouais. Couplet, après, on est tous les deux des kiffers de foot, tu vois, lui comme moi, tu vois. Donc en vrai, tu vois, je crois là même la deuxième session qu'on a fait, on a dû regarder un match en même temps, tu vois. Peut-être ça a joué dans le fait qu'on parle de ça, tu vois. Mais en vrai, non, c'était pas fait exprès, tu vois. On s'est pas dit, viens, on se met tous les deux un maillot de foot, tu vois. Ça s'est fait comme ça, tu vois. The Don était en concert il y a pas très longtemps au Photomat. Sur Ouais, je l'ai fait jouer, c'était il y a quoi, il y a un mois? Non, c'était le 11 novembre. 11 novembre. Donc il n'y a pas très longtemps. Très chaud. Et toi, là, café, donc toi, tu jouais au Photomat il y a deux jours? Ouais, samedi soir, ouais. Samedi pour soir, la c'était la sortie du EP, la release party pour la sortie du EP. Et il y a un clip? Il y a un clip qui s'appelle Dans la nuit, ouais, qui est sur YouTube. Allez, checker fort. Allez, checker. Et autrement, il y a de la promo pour les autres artistes aussi? Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait. Alors bon, Farb, il n'y a pas trop d'actualité, donc si vous voulez l'entendre rapper, faut plus le croiser en soirée. Faut écouter un clip où t'es avec, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, il y a... Ah putain, il est malin. Il est bon, il est bon. Il va faire croire qu'il l'a pas fait exprès. Il est, bon. Non, il est malin, franchement... il a fait des clips avec tous les rappeurs du Supreme MC. Comme ça, il peut faire son auto-promo, comme ça, l'air de rien, tu sais. Le gars, il va vachement sur mon clip. Bien vu. Allez voir mes clips, du coup. Non, mais en tout cas, pour Zig, je sais qu'il y a un projet avec son ami Déter qui se prépare, ouais, et qui devrait sortir courant 2022.
projet Zig et Déter. Sonore, je sais pas trop son actualité en ce moment, mais il avait sorti un projet dont j'ai oublié le titre il y a environ un an, je dirais. Marcheur blanc. Il y a peut-être plus d'un an maintenant. Avec des clips qui sont sur YouTube aussi, qui sont très cool. MKG, il avait une série de clips aussi qui était sortie sur YouTube. Le dernier en date est pas très vieux, alors j'ai plus les titres. Les Crocs, non, ça s'appelait MKG Les Crocs, c'est pas ça de la série ? MKG Les Crocs, je crois que c'était ça. Les Crocs 1, Les Crocs 2, Les Crocs 3, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, pour tous ces gars-là, il y a plein de petits clips en ligne, à part pour Farb qui fait... Il y a de l'actu chez les Clermontois. Ouais. Et The Don, on peut en parler, on n'en a pas parlé aussi. Ouais, The Don fort. The Don qui arrive avec une esthétique très très cool aussi, hein, des clips de notre ami Jordan Blanc qui sont très très cool et je crois que ça travaille sur un projet aussi du côté de The Don. Il est fini le projet ouais. Là il va, peut-être il y a moyen même de ce qu'il m'a dit la dernière fois que ça sorte avant la fin de l'année ou début d'année prochaine quoi, mais très très bientôt. Ok, donc allez checker ça, The Don sur Insta et sur YouTube. Et même il y a une émission du coup qui a été faite où j'ai invité The Don où il parle de toute son actu, donc n'hésitez pas à aller checker. On passe à la maison. Yes, le replay est disponible sur la chaîne Twitch. YouTube Supreme Legacy. Yes. On n'a pas parlé de Chris Jeezy. Chris Jeezy qui est un beatmaker clermontois aussi. Toi tu l'avais jamais rencontré, tu disais moi je le connais pas du tout. Mais Tite le connaît. Ouais, alors Chris c'est un mec qui a placé pas mal de prod. Il a travaillé un petit peu pour un youtubeur qui s'appelle J-Max à une époque. C'est un youtubeur qui faisait aussi de la musique, qui était signé, si je dis pas de bêtises, chez Beaumaillé Musique, le label de Youssoupha. En tout cas, J-Max c'est un mec qui a fait des sons avec Nazak, Black, toute cette clique là. Ouais. Et donc Chris a produit pas mal pour lui. Il est signé sur une structure à Bordeaux, qui fait une structure d'édition comme All Day pour Yaya, donc qui s'occupe de lui. Et si vous écoutez Fun Radio, et ben c'est la voix de Chris Jeezy que vous entendez quand il dit c'est Fun Radio. Mais non. C'est Chris Jeezy qui a fait le jingle de Fun Radio aussi. Donc, il est sur pas mal de petits plans comme ça, et notamment il est dans une série sur Disney+, High School Musical. Il est dans la série High School Musical, un truc comme ça. Donc, fait du doublage ? Non, il y a son il son. Il y a ah son, son son. Non, parce que c'est une série américaine qui est doublée en français pour les plateformes françaises. Et c'est un extrait où, en gros, les jeunes disent « Viens, on fait une choré pour TikTok. » Et ils choisissent un son pour faire une choré. Et le son qu'ils choisissent, c'est un son de Chris Jeezy. Je suis pas expert en High School Musical. Bien fait de faire cette émission. Mais voilà. En tout cas, voilà, Chris, c'est un mec qui a des petites actus qui sont très cool. Très chaud. Voilà. Non, cool. Moi, je connaissais pas. C'était cool de travailler avec lui. Nous envoyer des prods et tout. Cool. Bonne rencontre. Ouais, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Moi, j'ai travaillé avec lui dans le passé. Là, il a produit quelques titres pour moi. Et c'est toujours agréable de bosser avec lui. Moi, c'est un gars que j'apprécie bien. Donc voilà. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter autour de Pros Combat ? Est-ce que vous avez des choses à dire en plus ? Pas spécialement, mais moi c'était perso, cool. Ouais, voilà. Super expérience. Encore merci pour l'invitation. Clairement, c'est cool qu'il y ait des projets qui croisent les équipes, ouais. Tu vois. C'est un truc qu'on essaye de faire quand même, tu vois. Un peu tous de nos côtés, on essaye de se développer. Et forcément, plus on va réussir à croiser les univers et plus on va réussir à se développer vite et mieux, sans doute. Donc, c'est cool, les projets comme ça. Les projets, on arrive à s'entraider tous, un peu, entre guillemets. Et ça peut faire que du bien à la région et à la musique. Donc, et aux intervenants, puisqu'ils ont tous pu avoir une belle carte de visite. Alors, tout le monde l'avait. Hein. Tout le monde a des clips, tout le monde a des sons. Mais voilà, les mettre en valeur avec des images comme ça, plus toute l'équipe qui pouvait pousser derrière, c'était un truc très bien, une belle carte de visite. Enfin, moi je trouve, il y a des notamment le tien, celui d'HEO, là justement, vous ça fait deux morceaux, ça fait on dirait c'est un clip, on sait pas. Enfin, hormis si tu les interviews et moi qui viens gâcher le truc au milieu, mais ça fait deux morceaux. Mais, voilà. Yeah. Ouais, moi je pense que en tout cas ça reste le truc que je retiens de ce projet. Voilà, c'est le fait d'avoir réussi à fédérer autant de gens d'univers différents et d'équipes différentes et que tout se soit bien passé sur ce projet là. Du coup on va conclure ici. Ça marche. Effectivement. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce premier épisode de hors série.
Le décor, encore une fois, ça a été fait par notre ami Repi One, les deux tableaux que vous avez vus. On va garder encore ce décor pendant quelques temps. Un gars de Supreme Legacy. Encore un graffeur de Supreme Legacy, donc on va garder ce décor pendant quelques temps. Je pense qu'on changera fin janvier, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch Supreme Legacy. Il y a des émissions qui viennent régulièrement, deux fois par mois. Passe à la messe avec H.E.O, Tea Time avec moi. D'ailleurs, on sera en live lundi prochain pour la Tea Time numéro 4 déjà. Et après, on enchaîne en 2022 des terres avec toujours plus d'émissions. Le format hors série reviendra quand, je ne sais pas. Avec qui, je ne sais pas. Ça dépendra pour faire quoi, du sujet. Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, il y aura d'autres hors-série selon le bon vouloir des gens que vous voyez ici, puisque comme on l'a dit, chacun est libre de pouvoir faire une hors-série sur un sujet qui lui plaît. On passe un petit big up à la technique, on a John. Bien sûr, John, on lui passe toujours une petite dédicace à Hermès Milio, le plus beau des Hermès qui s'occupe de faire tous les visuels de notre chaîne Twitch. Et puis bah suivez le contenu sur les réseaux sociaux Supreme Legacy. Si vous avez envie de revoir tous les épisodes de Pros Combat, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, un petit dernier mot pour la fin, quelque chose à ajouter ? Plein de bisous. Plein de bisous. Et ben on conclut ici. Passez une excellente fin de soirée. À bientôt, on se voit lundi prochain. Yeah.